Madame, messieurs, bonjour. Merci donc de participer aujourd'hui à cette conférence débat sur le thème de repenser l'argent en conscience. Alors, le sujet est vaste et en préparant l'émission, nous avons réalisé qu'il y aura nécessairement d'autres rendez-vous semblables à celui-ci pour évoquer d'autres pistes, d'autres réponses que nous ne pourrons pas accueillir aujourd'hui, compte tenu évidemment du format de cette rencontre et des contraintes de temps. Une autre précision également s'impose. Des représentants du monde bancaire traditionnel ont été invités pour qu'ils puissent également réagir, bien sûr. Mais ils n'ont pas donné suite à l'invitation, des invitations qui ont été envoyées directement, mais également qui ont été relayées par des organisations et des personnes proches d'eux. Alors, je voulais simplement vous le mentionner, la démarche a été faite. Nous ne voulions évidemment pas exclure personne et surtout pas l'institution qui aujourd'hui est en place et qui a évidemment un droit de réponse. Je voudrais évidemment maintenant m'adresser aux internautes qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre, leur dire bonjour, les remercier d'être présents et leur indiquer qu'ils peuvent envoyer commentaires, questions tout au long de cette conférence débat et à la fin évidemment de l'événement, nous leur donnerons la parole en lisant certaines des questions en fonction du temps qui nous restera et nous vous inviterons, nous inviterons chacun de nos intervenants évidemment à y répondre. Alors, avant d'aller plus loin, maintenant une surprise que je vous propose de partager, un clin d'œil. C'est le clip en quelques secondes d'une Française, une artiste française, un clip qu'elle nous a envoyé où avec ses mots, sa voix, sa musique, elle met en une image des questions que beaucoup se posent et je vous propose de l'écouter. Nombre de gens se posent la question qu'ils en aient beaucoup ou qu'ils en aient peu. Alors je demande, à ma façon, au nom de ceux que ça intéresse, qu'en est-il? Que fait-on? Salut! Alors, j'ai oublié de citer son nom, il s'agit de Jack Robert, et nous la remercions de cette belle initiative parce que, à son image, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens et même de citoyens d'autres pays se posent aujourd'hui une question légitimement concernant l'argent, leur argent plus directement encore quand ils entendent parler de risques de crise financière, bancaire, et qu'ils sont même invités à sortir leur argent des banques. Alors, ce sont des inquiétudes immédiates auxquelles nous allons nous efforcer de répondre avec des propositions concrètes. Et cela sans perdre de vue, bien sûr, qu'il s'agit également de préparer, de faciliter une transition la plus pacifique possible vers un autre mode de société où l'argent ne sera plus forcément au cœur du système, à la place de l'homme, et où l'économie ne sera plus forcément non plus une économie de marché. Donc, je le rappelle, dans un premier temps, vous allez être invité à présenter vos analyses, vos visions, vos propositions, et nous procéderons ensuite à la partie débat, comme je vous l'ai précisé. Première étape, donc, je vais tout de suite présenter François de Siebenthal. François, vous êtes de formation juriste, économiste. Votre expérience au sein du Crédit Suisse, en Suisse, dont vous êtes citoyen et où vous vivez, vous donne un regard particulier sur les forces, les faiblesses du système bancaire et de l'argent. Précisons également que tout au long de votre parcours, et aujourd'hui encore, vous êtes largement impliqué sur le plan social et humanitaire. Nous vous écoutons. Merci de me donner la parole. Je précise que je suis banquier, j'ai une formation de banquier, j'ai été banquier et je suis encore banquier, simplement dans une autre forme de banque, forme où on apprend aux plus pauvres à créer leur propre masse monétaire. C'est un mélange de système suisse qui s'appelle le VIR, qui est un système d'argent alternatif qui existe depuis les années 30, la grande crise. Donc, où les gens créent leur propre masse monétaire. En Suisse, nous avons plusieurs systèmes monétaires, ce que peu de monde sait et comprend. Et on mélange ce système d'alternatives bancaires avec des petites banques locales qui s'appellent les banques Raiffeisen. C'est des banques qui étaient à l'époque dans quasiment tous les villages de la Suisse.
La Suisse est un des pays les plus pauvres du monde. Nous n'avons rien. Pas de richesse, pas de mines, pas d'accès à la mer, deux pauvres récoltes, une par année. Mais nous sommes le pays le plus riche du monde. C'est un paradoxe et nous sommes vraiment à la pointe dans le domaine bancaire et nous savons les souffrances que le système bancaire provoque dans le monde entier car depuis notamment Bretton Woods, nous avons des monnaies vides. Les monnaies deviennent vides parce qu'elles viennent du néant. Les banquiers appellent ça la création monétaire ex nihilo. Très peu de monde comprend vraiment ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que l'argent maintenant est créé comme par magie, par un coup de baguette magique. Ça vient du néant, ex nihilo. Et ce que très peu de monde comprend, c'est que ça retourne au néant lorsqu'on rembourse l'argent. Chaque politique de rigueur en Grèce, en Espagne, en France, en Portugal, dans le monde entier, chaque fois que le banquier vous demande de rendre l'argent qu'il a lui-même créé du néant, il le fait retourner au néant. Ce qui fait que toutes ces politiques de rigueur sont des politiques iniques car elles aggravent la crise, elles retirent le sang de l'organisme économique comme si l'on retirait le sang d'un malade qui lui-même est en manque de sang. Donc on étrangle les peuples pour le bien-être d'une infime minorité qui comprend très bien le système, qui veut maintenir ce système. C'est un système qui est mortel, c'est un système inique. Et nous, en Suisse, vous voyez, au-dessus de ma tête, nous avons la chance d'être un pays dans le monde qui peut faire des initiatives fédérales. Donc l'initiative Monnaie pleine est un moyen que nous avons trouvé, vu que nous savons toutes les souffrances provoquées par les systèmes bancaires dans le monde. Nous sommes un des pays les plus bancarisés du monde et nous avons aussi réfléchi aux solutions possibles pour éviter les conséquences du dessin qu'il y a dans mon dos, où vous voyez le banquier qui mange tout, les gouvernements qui sont au service des banquiers et le pauvre peuple, vous voyez peut-être pas le pauvre peuple qui a à peine un os décharné dans son assiette. Donc, les systèmes bancaires mondiaux actuellement sont des systèmes qui datent de plusieurs siècles en arrière, qui petit à petit prennent toutes les richesses du monde entier, les concentrent dans de moins en moins de personnes et laissent le reste de la population sur le carreau. Donc, nous vous encourageons à nous aider à gagner cette votation monnaie pleine qui ferait, en résumé, la chose suivante. De la marche parlait de la chypriasisation de l'économie, que tout le monde soit soumis comme les Chypriotes au vol de leurs épargnes, au vol de leurs comptes en banque. Actuellement, dans quasiment tous les pays du monde, on prévoit de voler vos épargnes, de voler vos retraites sur les comptes en banque, de vous rendre des monnaies complètement vides. Nous demandons, grâce à l'initiative Monnaie pleine, en résumé, que la monnaie soit sortie des bilans des banques, car actuellement, vu que votre monnaie est dans leur bilan, elle est au risque de leur bilan et au risque de leur faillite. Si une grande banque fait faillite, vous perdez tout. Et avec le bail-in, ils vont vous obliger de devenir actionnaire des banques avec vos épargnes et vos fonds de pension. Et si la banque fait faillite, ce qui peut arriver dans de nombreux cas, vous allez tout perdre, comme ça s'est passé à Chypre ou en Islande. Donc, nous vous recommandons de soutenir cet effort et de comprendre ce que nous faisons là maintenant en Suisse en retirant l'argent des bilans des banques, en les mettant comme dans des coffres-forts chez vous ou des coffres-forts indépendants, que l'argent devienne des titres, que l'argent ne soit pas une reconnaissance de dette, mais que ce soit un titre qui n'est pas au risque de la banque, mais qui est au risque des pays dans lesquels vous vivez. Nous, les Suisses, nous sommes le souverain. Nous parlons des Suisses en tant que roi ou reine. Le souverain bat monnaie. Mais actuellement, le seigneuriage, le fait d'être le seigneur et de pouvoir battre monnaie, nous est volé par quelques privés, quelques banques commerciales qui abusent de manière honteuse de leur pouvoir discrétionnaire et régalien. Merci François pour cette rapide présentation. Je vous le rappelle, nous allons essayer de boucler vos présentations dans un temps de 5 minutes que vous avez à peine dépassé. Je vous en remercie. Je voudrais maintenant m'adresser à Marc Louix. Marc, évidemment, votre parcours est également impressionnant et ces quelques mots, évidemment, ne vont pas lui donner le crédit qu'il mérite, mais rappelons simplement en quelques mots que de formation, vous êtes théologien, philosophe, mais vous avez néanmoins été toujours au cœur de
action, en particulier aux côtés de Jacques Delors dans la construction européenne et aux côtés d'initiatives qui auront été autant d'étapes vers la transition, vers une autre société. Je pense évidemment à votre contribution pendant plusieurs années comme conseiller du projet Auroville en Inde. Vous êtes également membre du Club de Rome. Alors, j'aimerais vous écouter, vous aussi, pendant 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'il faut dire que si l'on considère le système monétaire mondial actuel, on peut dire que tous les voyants sont au rouge clignotant. Notre système mondial qui dépend du dollar tient avec des pinces à linge, c'est-à-dire que n'importe quel choc pourrait le faire imploser. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que il y a quelque chose dont on ne peut pas parler, c'est la dette énorme, abyssale du dollar. Et donc, il y a eu une propagande contre l'euro pour qu'on ne parle pas du dollar. Alors, une des personnes les mieux placées, c'est de nouveau une Suisse, elle s'appelle Miret Zaki. Elle est la vice-rédacteur en chef adjointe de Bilan, qui est une des grandes revues suisses d'économie. Et elle a écrit un livre en 2012 qui annonce la fin du dollar. Alors, les choses vont vite. En 2014, les BRICS, qui représentent de 3 à 4 milliards de gens, donc ce n'est pas un petit groupuscule, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont sortis de Bretton Woods et sont en train de créer un serpent monétaire, c'est-à-dire un embryon de monnaie commune, appuyé probablement sur l'or. Donc nous sommes déjà dans une transition, mais les médias occidentaux ont décidé de ne jamais en parler. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais il me semble que c'est décidé, ça a été décidé. Je voudrais simplement vous lire 2-3 lignes et puis je m'arrêterai. C'est tiré du livre « La fin du dollar » écrit par Miret Zaki. Ce n'est pas l'euro qui va mourir, c'est le dollar. Un crash du billet vert se prépare, il est inévitable. Le principal risque planétaire actuel, c'est la crise de la dette souveraine américaine. La plus grande économie du monde n'est plus qu'une vaste illusion. Pour produire 14 000 milliards de revenus nationaux, les États-Unis ont généré plus de 50 000 milliards de dettes totales, qui leur coûtent 4 000 milliards d'intérêts. Il existe à ce sujet une forme de déni collectif préoccupant, typique des sommets de bulles spéculatives. Et alors elle termine en analysant sans complaisance les facteurs de risque liés à l'économie américaine et le contexte économique global. Il apparaît clairement que le dollar vit ses derniers instants comme monnaie de réserve internationale et qu'un retour brutal à l'austérité est inéluctable aux États-Unis. Je m'arrête là. Le constat est assez sévère. Effectivement, merci. Merci Marc. Je vous propose de poursuivre ce tour de table avec maintenant Romain Light. Un parcours aussi étonnant dans un tout autre registre, un homme connecté en termes de technologie, mais aussi en termes d'énergie dont il parle et qu'il utilise, l'énergie de provenances différentes. Il est basé à Sydney, en Australie. On le remercie d'être avec nous, évidemment, aujourd'hui. Vous êtes l'adepte d'une autre monnaie, le Bitcoin. Alors, j'aimerais que tu nous en parles, mais que tu nous en parles en nous expliquant, Romain, comment le Bitcoin, peut-être une réponse effectivement concrète
aux questions que se posent aujourd'hui, non seulement les Français, les Européens, mais comme je le disais, d'autres personnes à travers le monde face effectivement à l'avenir de l'argent dont on doute face à ces menaces de crise économique bancaire. À ton tour. Donc, déjà, merci de m'avoir invité. Pour moi, le raisonnement est relativement simple. Comme l'a très bien dit François et comme l'a très bien rappelé Marc, nous vivons la fin des temps, nous arrivons petit à petit à la fin des temps. Pour moi, je ne vois pas vraiment de différence entre l'euro et le dollar. Les deux font partie de ce qu'on appelle des monnaies fiat. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la monnaie fiat, c'est une monnaie qui est créée par une banque centrale, donc une monnaie créée par un système gouvernemental. Et comme l'a très bien dit François, nous parlons d'une monnaie qui est créée à partir de rien, mais qui en plus est indexée à une dette. Ça, c'est quelque chose qui est encore difficile à comprendre. Et pour moi, tout doit démarrer déjà par une prise de conscience que le système monétaire que l'on croyait être un système juste est en fait est un système inique, comme l'a très bien dit François. Nous avons un système monétaire qui, nous avons en fait l'image en fait qui me paraît la plus cohérente, c'est celle d'un ballon. Vous avez un ballon gonflable. Imaginez un ballon gonflable dans lequel on va remplir d'eau, que l'on va remplir d'eau. Donc l'eau symbolise en fait le travail généré par l'humanité, la production de richesses. Le problème de ce ballon d'eau, c'est que à chaque fois que des États ou qu'une certaine équipe, on va dire, d'individus décide de lorsque le niveau d'eau se rapproche trop près du bout du ballon, ben en fait, il souffle dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'inflation. On souffle dans ce ballon et subitement, ben, le niveau redescend. Et en fait, ben, les gens n'ont jamais vraiment accès à grand-chose puisque d'une part, on change systématiquement le volume de cette masse monétaire par différents leviers. Et le deuxième problème, c'est que chaque monnaie qui est créée, chaque dollar qui est créé est automatiquement attaché à une dette. Et cette dette-là, on peut la symboliser par simplement des trous qui sont faits dans ce ballon et qui font que l'eau part en permanence. C'est-à-dire qu'on aura beau rajouter de la richesse, produire du travail, cette richesse sortira systématiquement de ce ballon. Donc c'est vraiment important que les gens réalisent la folie de ce système et à quel point ce système est complètement délirant. Et moi, bah, je trouve un petit peu dommage que les professionnels de ce genre de catégorie, à savoir les économistes, les monétaristes et tout ça, ne font que essayer de trouver des moyens de sauver ce système, alors que ce système est profondément malsain. Il génère des pathologies dramatiques, à savoir des addictions, et on voit la manifestation de ces addictions dans les comportements des humains, à savoir vouloir accaparer l'argent, comme si le but d'une vie, c'était d'accaparer des choses, puisque le sujet de la thématique de ce soir, c'est argent et conscience, donc il est quand même important de rappeler les éléments de base. On n'est pas là pour gagner sa vie, on est là pour vivre, on est là pour expérimenter l'existence et des comportements qui induisent des addictions à la possession, des addictions au contrôle, des addictions l'accumulation sont de profondes maladies. Donc, partant de ce postulat-là, il n'est pas très difficile de réaliser qu'en fait, au lieu de chercher de sauver et de mettre des patchs sur un système qui est profondément malade, ben on a tout simplement besoin d'en créer un autre. Et c'est ce qui s'est passé en 2008-2009 avec la création d'un autre système parallèle. Alors, c'est là que les gens sont un petit peu confus. Ils essayent de caser ça dans quelque chose qu'ils arrivent à comprendre. Et on va appeler ça la crypto-devise, voilà, un système de crypto-devise. C'est pas la peine de parler de Bitcoin parce qu'il existe aujourd'hui plus de 800, 900 différentes crypto-devises. Bitcoin n'est qu'une de ces devises qui a été la première à sortir et qui est en fait l'expression d'une technologie qui s'appelle la blockchain. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à rechercher les mots-clés sur YouTube, sur Google, blockchain, Bitcoin, création monétaire, parce qu'il est important que les gens réalisent qu'est-ce que la création monétaire, parce qu'entre ce qu'on nous aura dit à l'école, ce qu'on nous explique à la télé et la réalité, il y a un univers. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit François, l'argent est créé à partir de rien, à partir d'absolument rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer parce qu'on considère que l'argent nous permet d'acquérir des choses matérielles, alors que l'argent par lui-même n'a aucune réalité véridique. Donc, à partir de là, si les banques sont capables de créer de l'argent à partir de rien, pourquoi pas le peuple? Et c'est là qu'on nous dit, ah ben non, c'est comme dans des systèmes mafieux, la mafia va toujours pointer du doigt l'autre mafia en disant non, ceux qui font là-bas, c'est pas bien, alors, en oubliant juste de préciser que c'est exactement ce qu'ils font, quoi.
C'est-à-dire que si demain, nous, on voulait imprimer de l'argent, on nous traiterait de mafieux. Mais par contre, quand c'est l'État qui le fait, ça, c'est légal. Donc, du coup, voilà. Donc, on va rappeler jusque dans l'histoire, voilà, le Troisième Reich était légal, l'esclavage était légal. Donc, la légalité n'est pas véritablement un critère de compréhension. Il est important que les gens se réveillent sur ces concepts-là. J'ai pas beaucoup parlé du Bitcoin, mais ça va arriver un petit peu plus tard dans la conversation. Commencer à comprendre qu'une toute nouvelle réalité est déjà présente, elle est déjà là, elle s'est mise en place au cours de ces 10 dernières années qui représentent une éternité à la vitesse à laquelle les choses avancent. Elle est déjà là, elle est présente, elle est prête à se lancer et elle n'attend plus que nous pour sauter dans cette nouvelle réalité. Excellent, merci. Merci beaucoup Romain. Je constate avec plaisir que Simone vient de nous rejoindre. Alors bienvenue Simone, et si vous voulez bien, je vais vous passer la parole dans un instant. Je vais vous présenter très rapidement, comme je l'ai déjà dit à nos autres participants. La présentation que je fais ne rend évidemment pas mérite au parcours de tout et chacun, parce que je veux vous laisser évidemment le plus de temps. Ce que je pourrais dire à votre sujet, évidemment, c'est que vous dirigez aujourd'hui, vous êtes à la tête de la direction éditoriale des publications Agora. Il s'agit de publications spécialisées dans l'analyse et le conseil financier. Vous êtes vous-même ingénieur de formation, vous vous êtes engagé dans les marchés financiers assez rapidement, vous avez vécu l'éclatement de la bulle Internet et vous avez fait cette démarche que je considère courageuse, qui est volontairement de vous mettre au service du public, des particuliers, et au détriment donc des multinationales, des banquiers d'affaires. Et donc, c'est vers cette population, vers cette clientèle-là qu'aujourd'hui, vous dispensez vos conseils et vos analyses. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont marqué, qui ont du reste des titres marquants. Je vais citer très rapidement « Pourquoi la France va faire faillite ?» C'était en 2012. « Comment l'État va faire main basse sur votre argent ?» en 2013. Et enfin, « La fabrique des pauvres » en 2015. Tout cela aux éditions XL. Alors, avant de vous passer la parole, et en faisant un petit peu de travail de recherche sur Agora, j'ai trouvé ceci, la devise d'Agora, qui est, rappelons-la, parfois nous avons raison, parfois nous avons tort, mais nous sommes toujours dans le questionnement. Alors je considère que c'est une belle ouverture d'esprit et nous en avons bien besoin aujourd'hui. Et nous vous écoutons maintenant. Bien, donc merci de m'avoir accueilli. J'en viens au titre qui est « Repenser l'argent en conscience ». Alors, le terme « repenser », je tique parce que beaucoup de gens pensaient sur l'argent et la monnaie. On va parler monnaie, hein, d'ailleurs, pour être plus clair. Et notamment, Aristote, Platon, Copernic, ça c'était les minables, si vous voulez, qui ont pensé au problème. Et ce que nous vivons, et contrairement à ce que les gens pensent, par, je pense, inculture ou défaut d'enseignement, etc., c'est une monumentale régression. Je m'explique. Dans l'Antiquité, l'argent était dette, la monnaie était dette, exactement le système que nous vivons. C'est-à-dire que pour échanger, on devait consigner les échanges dans des registres de dette. Ces registres de dette étaient tenus par des grands prêtres, une autorité religieuse ou politique de l'époque. Lorsque les gens ont commencé à échanger, on s'est aperçu que ces enregistrements posaient des limites, des contraintes. Il fallait que tout le monde se mette d'accord pour reconnaître l'autorité religieuse ou politique. Dès qu'on dépassait une sphère d'influence, on était un peu dans le brouillard. Et l'humanité a fait de nombreux essais sur la monnaie. Et à la suite de ces nombreux essais, l'or et l'argent ont émergé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été une révolution monumentale dans la façon dont les gens échangeaient. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'humanité, il n'y avait plus besoin de grands prêtres, il n'y avait plus besoin d'autorités religieuses ou politiques. Il y avait juste besoin de deux matériaux physiques, l'or et l'argent, et qui étaient reconnus par un grand nombre. Alors évidemment, les États, les princes, les seigneurs s'en sont mêlés, ils ont mis leur « valeur ajoutée » entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de frapper d'un sceau quelconque l'or et l'argent pour que ça s'échange plus vite. Simplement, brièvement, pour que les gens se rendent compte que la monnaie n'a pas toujours été dette.
la monnaie a été l'or et l'argent, et la monnaie a été marchandise. Et la monnaie n'est qu'un véhicule et un moyen d'échanger. La monnaie en soi n'est pas la richesse. La monnaie est juste un vecteur d'échange à un moment donné, avec une fonction importante et essentielle qu'avait déterminée Aristote, qui était qu'elle devait pouvoir conserver de la valeur. Et c'est pour ça qu'Aristote avait conclu, contrairement à Platon, que la monnaie devait être marchandise et ancrée dans le réel. Alors, on va faire ensuite avance rapide dans l'histoire, arrivée de M. Keynes. L'or est une relique barbare et toutes les monnaies se coupent de l'or. Du coup, il n'y a plus aucune limite à l'expansion de la dette. Alors, autrefois, dans l'Antiquité, on revient aussi en arrière, celui qui ne payait pas ses dettes était réduit en esclavage. Les Hébreux étaient à peu près les seuls qui avaient trouvé une solution intelligente pour lutter contre les bulles de crédit. C'était simple, c'était le jubilé. Donc, je vous passe la lecture des textes hébraïques, mais à environ tous les 66 ans, toutes les dettes étaient remises, les créances déchirées et les gens qui étaient réduits en esclavage pour dette étaient libérés. Aujourd'hui, donc, nous vivons un système régressif. Nous vivons un système de monnaie-dette et les grands prêtres sont des banquiers centraux. Les nouveaux esclaves, eh bien, ce sont les gens qui portent la dette publique. Il y a un moyen très simple de revenir à une monnaie saine, c'est pas la peine de gamberger, c'est pas la peine de réinventer la roue, il suffit de revenir à ce que pensait Aristote. Ça me paraît très simple. Alors, il y a une autre solution dans laquelle les gens espèrent beaucoup, qui sont effectivement les crypto-monnaies. Le problème des crypto-monnaies, c'est que, alors, leur qualité, c'est d'être non-inflationniste. Donc, on a vu ce que c'était, croissance de la monnaie, donc croissance de la dette. Ça, c'est une des qualités, certainement, des crypto-monnaies. Elles ont quand même un défaut, elles ont besoin de quelque chose pour exister, c'est-à-dire des réseaux en bon état de fonctionnement. On se demande qui contrôle les réseaux aujourd'hui. Et elles ont quand même un inconvénient, elles ne sont adossées à rien de tangible. Voilà. Je n'ai pas de chapelle en ce qui concerne les crypto-monnaies. Je pense que c'est l'histoire qui fera l'épreuve du temps. Voilà. Je constate simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système d'expansion infinie de la dette, sans aucune limite. Hein, puisqu'il n'a plus de jubilé, et que ça risque de très mal se terminer. Voilà. Excellent. Bien, écoutez, je vous remercie à nouveau. Il s'agissait donc de Simone Wepler. Il nous reste maintenant à donner la parole à Blaise Rossola. Et j'aimerais très rapidement également le présenter. Alors, Blaise, tu es, puisque nous avions convenu du tutoiement, tu es également citoyen suisse comme François Tsibenthal. Tu es un jeune entrepreneur passionné par les solutions énergétiques alternatives, entre autres, des solutions que tu t'es rapidement engagé à promouvoir avec ton entreprise. Tu es impliqué socialement, politiquement en Suisse. Tu soutiens une vraie transition écologique, mais aussi économique. Et tu vas partager avec nous aujourd'hui des pistes de solutions concrètes qui pourraient permettre et faciliter donc cette transition. Nous t'écoutons. Merci de votre accueil. Oui, effectivement, en fait, moi, je suis venu à l'autonomie énergétique et financière quand j'ai vécu en 2008 personnellement la faillite d'une des trois banques islandaises, en fait, la Kaupthing Bank, où j'avais, en fait, sur un compte épargne, une année de mon salaire, c'est-à-dire 50 000 francs. Donc, du jour au lendemain, un 18 octobre, je crois, j'ai appris que la banque avait fait faillite et puis qu'on était 300 romans touchés. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était la monnaie. Et j'ai vu que ça reposait sur rien et que la garantie, c'était la crédibilité de la banque dans laquelle on reposait notre argent et que notre argent n'était pas un dépôt, mais en fait, était une créance sur la banque qu'on faisait sans garantie et maintenant sans intérêt, sans revenu et sans intérêt, en fait. Et en fait, ben, je me suis dit que le meilleur moyen de, de,
de s'autonomiser, en fait, c'était de devenir autonome au niveau de l'énergie, au niveau de l'achat de biens immobiliers, par exemple, de son bien immobilier, qui permet de pas louer à quelqu'un. Et mon premier achat immobilier s'est fait quand j'avais 27 ans. Je savais intuitivement que c'était comme ça que je devais que mon autonomie financière adviendrait, en fait. Et j'ai acheté ce bien immobilier et c'était un gouffre énergétique. Il me prenait annuellement un mois et demi de salaire. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je l'ai isolé. J'ai mis du panneau solaire thermique et j'ai compensé le dernier reliquat de consommation énergétique du bâtiment par du photovoltaïque. Et sur l'année, je suis arrivé à une maison à énergie zéro. Et puis, quelques années après, j'avais amorti mon crédit, en fait. Et j'ai pu réacheter une nouvelle maison sur plan, où là, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans l'autonomie. J'ai fait un système qui produit plus d'énergie que je consomme. Donc, le surplus, j'ai décidé de le mettre dans ma voiture électrique, qui est une Tesla Model S. Et en fait, j'ai supprimé l'essence, le mazout ou l'électricité pour vivre, en fait. Donc, je suis plus dépendant d'énergie fossile. Et en fait, ben, je veux maintenant proposer cette solution à un plus grand nombre. Et comme j'ai compris ben, le système de Ponzi, qui était le système bancaire international, j'ai trouvé un moyen de disrupter ce système en créant en fait des coopératives citoyennes qui en fait achètent du foncier, construisent des immeubles autonomes et investissent dans la mobilité électrique. En fait, l'idée c'est de se mettre à plusieurs citoyens qui ont compris le truc et puis on achète des biens. Voilà. Et puis l'idée c'est d'avoir de plus avoir de rendement monétaire et d'avoir des rendements nature. Donc terrain, on fait de la permaculture, on prend une autre énergie sur place, on se déplace avec le soleil. En gros, la solution c'est le soleil. Il est disponible partout et en tout temps. Voilà. Excellent. Excellent, c'est une démarche effectivement particulièrement intéressante. Merci Blaise. Jean-François Loubel aurait souhaité être parmi nous. Il est actuellement au Kentucky, aux États-Unis, et il ne pouvait pas se libérer dans le créneau horaire qui est celui de cette conférence. Alors, en son absence, il nous a envoyé quelques vidéos. Nous en avons retenu une. Elle dure 2 minutes, mais je pense qu'elle reflète bien la réflexion et les travaux en cours d'un homme qui, il y a quelques années, a décidé de renoncer à ses titres, à ses diplômes, à tout ce qui pouvait être associé à son parcours précédent pour aujourd'hui être simplement au cœur de ce qui l'anime, qui est principalement l'intelligence collective et puis l'économie du don, entre autres. Alors, je vais demander à Mathieu s'il veut bien nous lancer ou diffuser, je ne sais pas comment vous direz à Paris, mais cette vidéo. Alors la question de quoi faire de son argent en l'ayant sorti des banques relève pour moi d'une question assez difficile parce que justement l'argent se trouve aujourd'hui irrémédiablement accroché aux banques. Il ne peut plus y avoir d'argent sans le contrôle d'une banque aujourd'hui derrière. Ça fait un petit peu comme si on demandait que faire des électrons, de l'électricité que nous utilisons sans se servir des fils électriques. On ne se peut plus dissocier en tout cas le contenant de son support. Donc les banques contrôlent l'argent aujourd'hui, elles fabriquent l'argent. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'argent relève donc d'une monnaie privée puisque contrôlée par les banques. Alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, il y a une évolution qui se fait. On commence à la voir avec l'arrivée des crypto-monnaies, des crypto-currencies comme le Bitcoin, Ethereum et bien d'autres, mais qui relève d'une technologie qui ne va pas durer bien longtemps, ce qu'on appelle la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'elle demande une bande passante en informatique et d'autres problèmes que je ne vais pas détailler là, mais pour lesquels je ne vois pas beaucoup d'avenir.
De mon côté, je travaille avec bien d'autres, bien sûr, sur une nouvelle technologie qui va arriver, qu'on appelle Holochain, et qui, en gros, nous débarrasse complètement de tous les problèmes qu'on a dans la blockchain, et qui surtout va nous permettre de créer des monnaies indexées sur des valeurs réelles. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec les crypto-monnaies, on voit des actions complètement spéculatives aujourd'hui, qui ne font que reproduire ce que l'argent bancaire a fait, mais dans un autre domaine. On a besoin aujourd'hui de monnaies qui représentent des valeurs réelles. Et ça, la blockchain aujourd'hui rend cet exercice difficile, pour d'autres raisons également, mais vous allez voir avec Holochain justement l'arrivée de monnaies qui indexent des valeurs réelles, comme par exemple du temps d'informatique, ou de la nourriture, ou de l'énergie, des choses comme ça. Donc je vous conseille d'aller voir de plus près tout ça, et de voir comment des mécanismes de transition vont pouvoir se faire. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre de l'argent conventionnel en acquérant des monnaies de type Holochain, mais ensuite en pouvant vraiment fonctionner dans cette économie, dans cette nouvelle économie qui arrive avec donc d'autres unités de compte que l'argent tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Donc voilà, il y a une transition qui arrive et je vous conseille vraiment de vous y intéresser de très près. Juste une minute par rapport à ce que disait l'intervenant précédent, c'est très intéressant parce qu'il disait qu'il faut des monnaies qui soit basé sur quelque chose. Et comme beaucoup de gens, immédiatement vient l'idée, il faut des monnaies qui représentent alors de la nourriture, etc. Je rappelle que ça a déjà été fait. Hein, notamment autrefois, dans l'Antiquité, la monnaie était grain. Il y avait des mesures d'orge, etc. Et si l'or et l'argent, encore une fois, en tant que monnaie métallique, se sont détachés, c'est parce que justement, ils étaient inutiles. Si vous voulez spéculer aujourd'hui et que vous servez comme monnaie de pétrole ou de blé, c'est beaucoup plus dangereux que si vous asseyez la monnaie à quelque chose d'inutile. Donc, si on voulait faire une comparaison entre l'or et l'argent, par exemple le bitcoin, l'or et l'argent sont des matières premières a priori non inflationnistes, c'est-à-dire que c'est très difficile de les créer à partir de rien. C'est tout le mythe de la transmutation et des alchimistes, mais aussi ça a un côté, un caractère très intéressant sur le plan humaniste, c'est que c'est inutile. Voilà, il faut y réfléchir. Mais c'est en tous les cas moins dangereux que de spéculer sur le blé ou le pétrole. Très bien, merci beaucoup Simone. Alexandre, si... oui, François, je vous en prie. François, Mathieu, François Siebenthal. Oui, si je peux me permettre, dans le cas de la Suisse, par exemple, ce qui fait la valeur du franc suisse, c'est en tout cas pas des mines d'or ou de pétrole ou de quoi que ce soit d'autre, c'est l'organisation du pays qui fait que la monnaie franc suisse est la monnaie la plus forte du monde, à tel point que nous devons prendre des intérêts négatifs sur toutes les personnes ou sociétés qui voudraient investir en Suisse. Donc le désavantage de l'or ou de l'argent, c'est que une base limitée dépend de certains pays comme l'Afrique du Sud, par exemple pour les mines d'or ou d'autres pays. Tandis que l'organisation du pays, telle que la Suisse, dans lequel, je vous le rappelle, il n'y a absolument aucune ressource minérale, fait que le franc suisse reste actuellement la monnaie la plus forte du monde avec des intérêts négatifs importants. Alors, là encore, très brièvement, les pays les plus riches, traditionnellement, n'étaient pas ceux dans lesquels il y avait des mines d'or et d'argent, de même qu'aujourd'hui, les pays les plus riches ne sont pas nécessairement ceux dans lesquels il y a beaucoup de pétrole. Si vous prenez l'Algérie, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit un pays riche. La bonne gestion d'un pays est indépendante de la monnaie. Aujourd'hui, la monnaie fiduciaire consacre une bonne gestion, mais autrefois, avec les monnaies matières premières, la bonne gestion est consacrée par la monnaie, mais ce n'était pas encore une fois les pays producteurs d'or qui tenaient le haut du pavé. Et d'ailleurs, ça a plutôt pas porté chance à l'Espagne et au Portugal en leur temps. François veut réagir, je pense. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous et ça confirme donc nos pistes, disons, pour le système bancaire futur, tel que Blaise Rosla l'a signalé. C'est l'organisation de sociétés humaines
qui se font confiance. L'essentiel, c'est le mot crédit, qui a donné le mot credo. Donc, c'est d'abord le crédit humain, financier entre des personnes. On le voit avec les tablettes cunéiformes, comme vous l'avez rappelé, de l'époque des Assyriens ou de Balzar, etc. Donc, ces tablettes cunéiformes à Sumer, c'était un système monétaire extraordinaire. Ils avaient quasiment tous les outils bancaires connus actuellement, mais il y avait beaucoup moins d'abus, si ce n'est des abus dans le domaine des taux d'intérêt, où il y avait des taux d'intérêt inouïs, ce qui d'ailleurs a motivé aussi dans ces civilisations-là, non seulement la juive, mais les civilisations de l'Euphrate, du Tigre et de l'Euphrate, effectivement, des jubilés. Nous parlons, nous, en Suisse, des cinq sabbats. Il faut cinq sabbats. Le sabbat des sept jours, sept semaines, sept mois, sept années et sept fois sept ans, c'est-à-dire les 49 ans. Le jubilé de ces civilisations, c'était en tout cas une remise à zéro des compteurs économiques tous les 49 ans. On dit 50 ans, mais c'est pour gagner une année, c'est mesquin. C'est tous les 49 ans, 7 fois 7. Merci François. Alexandre, pour donner la chance à Étienne de nous rejoindre, je propose néanmoins de poursuivre. Et je voulais proposer qu'Alexandre Boisson prenne la parole maintenant pour ajouter une dimension à tous les échanges qui viennent d'avoir lieu. Je vous le rappelle, cet événement a été organisé à la suite de la diffusion très reprise sur les réseaux sociaux, donc d'une vidéo de Olivier Delamarche concernant des crises bancaires fort probables selon lui. Et il invitait donc les Français, en l'occurrence, à enlever leurs capitaux des banques, sans préciser ce qu'ils pourraient en faire ensuite. Alors, évidemment, j'aimerais que Alexandre nous parle maintenant, parce que Alexandre est un homme qui, par ses activités passées et par l'expérience qu'il a pu développer, est un homme qui a une compétence particulière en évaluation des risques sécuritaires liés à tous ces problèmes de société. Et ce qui nous intéresserait maintenant, Alexandre, c'est de comprendre quelle est l'ampleur, si nous allions dans la perspective que nous propose Olivier Delamarche, à quoi pourrait ressembler d'abord une crise bancaire au niveau sociétal français, au niveau de la société française. Et dites-nous. Alors, ce qu'on voit à Saint-Martin aujourd'hui, c'est vraiment ce qui peut arriver avec une société qui est déstabilisée. Vous voyez bien que ce qui arrive très vite dans la tête des gens, c'est comment on va se nourrir, comment on va boire, où est-ce qu'on va se loger. Je voudrais faire juste une projection. Là, on est en train de parler de comment on place son argent dans les bitcoins, dans l'or ou dans d'autres choses. C'est très intéressant, mais il y a les fondamentaux physiologiques, physiques, le risque sécuritaire qui a à prendre en compte. Imaginons, comme à Chypre, les banques sont fermées le jour 1. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça nous tombe dessus. Du coup, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils vont pouvoir retirer leur argent? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des courses pour leur famille? Et donc, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent et des gens qui vont commencer à se ruer parce qu'ils ont encore de l'argent en poche sur les gens qui vendent de l'or. Ça, c'est le jour 1. Mais ceux qui n'ont pas d'or ou qui n'ont pas de moyens alternatifs, eux, ils vont commencer à se dire « Oh là là, il faut vite qu'on aille dépenser notre argent dans l'alimentaire ». Donc, ils vont faire des réserves. Ça, c'est le jour 1, je répète. Le jour 2, les gens commencent à se bagarrer parce qu'ils ne trouvent pas de réponse dans ce qui est dit. On voit bien ce que c'est qu'en ce moment, la formation sur Saint-Martin, justement, on a bien du mal à savoir ce qui se passe. Et donc, les gens vont commencer à piller, à dévaler. Alors, c'est pas toujours les plus méchants qui font ça, c'est juste des gens qui ont peur. Donc, le jour 2, on se retrouve avec un problème de sécurité des forces de l'ordre qui sont débordées, comme en ce moment, et ces mouvements de panique. Au troisième jour, la boîte de conserve vaut déjà beaucoup moins que la pièce d'or. Donc moi, ce que je veux remettre en perspective, et maintenant je vais laisser la parole à quelqu'un qui s'appelle Robert Paturel, j'espère que vous allez bien l'entendre,
C'est quelqu'un qui a passé 20 ans au RAID, qui est intervenu sur des opérations chaudes. On le voit souvent à la télé aussi pour commenter les actes, enfin le terrorisme. Et je vais vous dire, il va vous dire lui-même ce qui se passe à Saint-Martin, puisqu'il a des informations de premier plan. Est-ce que tu nous entends, Robert ? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe à Saint-Martin et qu'on ne voit pas à la télé ? Bah, les retours que j'ai, moi, c'est un petit peu alarmant. Enfin, je ne sais pas si ça va se calmer maintenant avec l'arrivée de l'armée et des gendarmes, notamment. Mais juste après le cyclone, enfin, juste après l'ouragan, il y a eu des trucs terribles qui sont sortis de prison, qui se sont réarmés, qui ont attaqué les armureries, qui ont vidé les armureries. Donc, il y a des groupes armés qui se voulaient promener dans les rues et qui réglaient leur compte avec d'autres équipes et qui montaient des cages, qui pillaient, bien sûr, mais qui montaient surtout au braquage et des bijouteries et compagnie, quoi. Donc, les retours que j'ai eus, moi, des amis et même de la famille proche là-bas, c'était on se cache, on a peur, on s'est regroupé avec d'autres de nos familles et on a peur de l'avenir, quoi. Donc c'est les retours que j'ai eu moi. Maintenant les pillages, comme on vient de le dire, c'est presque normal dans la mesure où quand on n'a plus rien à manger, on va regarder à côté s'il y a des trucs à récupérer. Mais quand on voit les gens sortir avec des télés ou des frigos, ça c'est un petit peu alarmiste, quoi. Hein. Voilà. C'est un peu peur, quoi. Tout à fait. Ça nous donne une idée de ce qui pourrait se produire, de le microcosme de ce qui s'est produit à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, enfin surtout à Saint-Martin, parce que ceux de Saint-Barthélemy qui m'ont appelé n'étaient pas dans la même détresse. Mais ça donne déjà une idée de ce qui pourrait arriver chez nous sur la même situation. Alors merci Robert. Un article de 2012, on a 15 000 Kalachnikovs qui circulent dans les cités aujourd'hui. Si le pays vient à être déstabilisé, bah écoutez, je vous laisse découvrir le carnage que ça peut faire avec le Bataclan. Il n'y en avait pas beaucoup des Kalachnikovs. Vous vous rappelez le nombre de morts et de blessés. Alors, excusez-moi, j'étais un peu anxiogène aujourd'hui. C'est simplement parce que je suis un petit peu agacé qu'on veuille lancer des alertes qui sont tout à fait justifiées, mais sans donner les solutions. Et si j'ai voulu provoquer aujourd'hui cette conférence avec des gens qui ont des solutions, avec des gens qui connaissent des solutions, c'est simplement parce que je veux pas que nous soyons tous en danger. Moi, j'ai fait 9 ans au groupe de sécurité du président, j'ai pas fait 15 jours. Robert Paturel, lui, c'est un type qui a formé en grande partie le RAID. C'est un cri d'alarme aussi. Arrête de dire des conneries, mobilisons-nous pour trouver des solutions. Merci donc à vous deux. Effectivement, ce sont des scénarios catastrophes et on souhaite tous, évidemment, ne pas avoir à les vivre. Par contre, ça met en évidence aussi l'importance des transitions, des scénarios de transition pour éviter effectivement des ruptures brutales comme celle que vient d'évoquer Alexandre et son ami collègue Robert Paturel. Alors, effectivement, Étienne Chouard vient de nous rejoindre. Étienne, bonjour, nous sommes... au moment de cet événement où nous basculons vers le débat, mais je vais vous donner l'occasion quand même d'exposer rapidement, en 4-5 minutes, votre propre vision, vos propres pistes de solution, avant que nous engagions le débat, où chacun d'entre vous pourra réagir sur les positions avancées, les pistes proposées par les uns et les autres. Avant de vous donner la parole, une rapide présentation, mais je suis sûr que tout le monde vous connaît plus que moi, je ne vous connaissais, alors je fais mea culpa. Je suis à Montréal et je suis peut-être moins attentif désormais à l'actualité française. Mais néanmoins, ce que je retiens de votre parcours, c'est que vous enseignez donc l'économie et le droit et que vous êtes particulièrement connu du public pour, entre autres, votre projet d'une constitution, une constitution à réécrire par les citoyens et pour les citoyens. Alors j'imagine évidemment que votre vision et les solutions que vous allez nous présenter vont être également précieuses pour tous ceux qui nous écoutent, précieuses pour ceux qui ne sont pas. Je vous cède la parole, Étienne. D'abord, peut-être, est-ce que vous m'entendez ? Absolument. Ça fonctionne, c'est incroyable, ça marche du premier coup, ce truc-là. Presque. Mais vous avez de la chance, effectivement. Nous vous écoutons. Je ne sais pas ce que vous avez débattu avant que je n'arrive, mais quand j'ai entendu Alexandre parler de 15 000 Kalachnikovs dans le pays, moi, j'ai pas de,
J'ai pas de solution à ça immédiate. J'ai d'ailleurs pas de solution immédiate sur aucun de nos problèmes politiques. On est dans un piège politique. Et même une bonne idée ne sort pas directement du piège. Il me semble que la nature du piège politique tient à notre démission du processus constituant. C'est-à-dire que notre impuissance politique, notre difficulté à changer les choses, est écrite quelque part dans un texte dont, pour l'instant, tout le monde se fout. L'impuissance populaire, elle est programmée dans toutes les constitutions du monde. C'est pas écrit clairement comme ça, c'est ça peut-être qui fait la difficulté, mais enfin c'est quand même pas une grande difficulté. Il n'est pas écrit dans la Constitution française, ni dans la Constitution anglaise qui je crois est celle des Québécois. Il n'est pas écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». Ça nous permettrait d'y voir clair et d'identifier l'ennemi plus rapidement. C'est pas écrit comme ça. Dans les constitutions du monde entier, ce qui fait l'impuissance populaire, c'est notre absence. C'est le fait qu'aucun pouvoir ne nous soit donné dans la Constitution. Et alors, ça, c'est une constante que je retrouve dans toutes les constitutions du monde. Et donc, j'arrive pas à expliquer ça par un complot, par un, ce serait pas partout, à toutes les époques et dans tous les pays. Donc, c'est autre chose. À mon avis, il y a une constante plus universelle et, à mon avis, plus simple, plus plausible que celle du complot des élites, ce qui n'est pas incompatible. D'ailleurs, il y a sûrement les élites complotent sans arrêt pour rester au pouvoir. Hein. Je n'ai aucun problème avec le complot. Hein. Et je trouve que les militants de gauche qui acceptent de renoncer à dénoncer les complots sous prétexte, par peur d'être dénoncés comme complotistes, ces gens-là se désactivent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un militant de gauche, un militant progressiste, il doit être capable de dénoncer les complots quand il en trouve. Sinon, il ne sert plus à rien, quoi. Donc, j'ai aucun problème avec les complots. Simplement, l'explication de notre impuissance politique dans les constitutions, elle est ailleurs que dans une manigance des hommes au pouvoir. Elle est, je crois, dans notre démission politique, démission du processus constituant. Nous ne savons même pas que la constitution existe. Quand nous savons qu'elle existe, nous nous croyons incompétents pour la lire d'abord et encore plus pour la corriger, et encore plus pour en imaginer une nouvelle. En fait, on est probablement, ça fait partie de notre formation. Hein. On nous forme, je pense qu'on nous, les républiques, partout sur Terre, nous infantilisent volontairement. Les instructions au XIXe siècle pour les instituteurs, les instructions étaient claires, il s'agissait d'enseigner aux enfants de pauvres la soumission, la résignation, le respect des hiérarchies sociales. Donc c'était très explicite. L'éducation nationale servait à certes élever le niveau intellectuel des gens, mais aussi à leur apprendre à respecter la hiérarchie sociale. Donc, c'est pas étonnant que dans une république aussi conservatrice, on ne nous ait pas appris le droit constitutionnel, et plus que ça, qu'on ne nous ait pas entraîné à écrire nous-mêmes une autre constitution pour nous émanciper nous-mêmes. Donc, c'est pas étonnant qu'on... Mais en même temps, ça change pas le fait que la cause est en nous. Je pense qu'il ne faut pas attendre de l'éducation nationale. Je fais partie de l'éducation nationale, hein, et j'en parle à mes enfants de ça, enfin mes élèves. Mais ça ne suffit pas, c'est trop peu de choses. Je pense que l'éducation nationale, les profs que je connais de l'éducation nationale, ne changeront pas cet aspect-là des choses. Il ne faut pas compter sur eux, il ne faut pas compter non plus sur les élus. Ce ne sont pas les élus non plus qui vont procéder à l'éducation populaire qui nous permettra de nous approprier la Constitution et de nous remettre à écrire les contrôles des pouvoirs et la puissance et instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Non, c'est à nous de le faire entre nous, sous le mode de l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est des gens normaux, donc, qui n'ont pas le pouvoir, qui veulent pas le pouvoir. C'est des gens normaux qui doivent former d'autres gens normaux et l'éducation populaire, la caractéristique de l'éducation populaire, c'est que personne d'entre nous n'est prof tout le temps. On est prof chacun notre tour. Un jour, je t'apprends ce que je sais, et le lendemain, tu m'apprends ce que tu sais. Et on se forme entre nous, à la base, sans avoir besoin des élites. Et par éducation populaire, il me semble que nous devrions instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque pour changer tout ce qui est nécessaire, sachant que quand je vois tous les problèmes auxquels sont confrontés les hommes, je trouve
pratiquement, à part la mort, oui, bon, la mort, ça c'est vrai que c'est un problème physique, c'est un problème technique, on n'a pas de solution technique à la mort, nous allons mourir, ça c'est à peu près certain, et il n'y a rien à faire. Mais la plupart des problèmes que nous rencontrons, les problèmes de pollution, les problèmes d'exploitation, les problèmes d'injustice, les problèmes de souffrance, la plupart des problèmes que nous rencontrons sont des problèmes techniques qui ont des solutions et qui en fait ne devraient pas être des problèmes. Et en fait, ce sont des problèmes et ça reste des problèmes parce que nous avons un problème politique. Nous sommes impuissants politiquement. Écoutez, donc ça, c'est une cause commune. C'est une cause commune. Et il me semble que Alexandre m'avait dit au téléphone qu'on parlerait peut-être un peu de monnaie. Et il me semble que de ce point de vue, il ne tient qu'à nous d'instituer nous-mêmes la monnaie qui nous manque, la monnaie émancipante, c'est-à-dire tout sauf la monnaie bancaire privée qui est la nôtre aujourd'hui, qui est aliénante, rare, chère, qui crée une pénurie et une peur de manquer universelle, cette peur de manquer induisant comme une conséquence, mais non nécessaire et pas éternel. Hein. C'est parce qu'il y a cette rareté, qu'il y a cette peur de manquer et qu'il y a la cruauté, la cruauté qui vient de la peur de manquer. Je pense que la plupart des égoïsmes, des cupidités, des envies d'accumuler de la monnaie qui en prive, qui prive de monnaie tous les autres, tous ces fléaux en fait viennent d'une cause première qui est le type de monnaie que nous utilisons, qui est idiot, qui est une monnaie bancaire, privée, chère, rare, qui a tous les inconvénients et qui n'est pas du tout la seule possible. Très bien. Étienne, merci beaucoup. Je pense que nous sommes rentrés maintenant au cœur du débat. Je vois des mains qui se lèvent. Et effectivement, avant même que François de Simmental ne lève la main, j'allais du reste le mettre à contribution, ainsi que Blaise. Nous avons parmi nous, Étienne, deux citoyens suisses. L'un est un jeune entrepreneur qui a mis sur pied, en faisant l'expérience parfois très douloureuse lui-même, des lacunes, des défaillances du système bancaire et de ce que la société aujourd'hui peut avoir à lui proposer. Il a bâti une stratégie au niveau de l'indépendance énergétique. Donc, il est dans un processus de transition énergétique et économique. Et quant à François de Simmental, qui est un banquier de formation, qui est encore aujourd'hui un banquier, mais d'un type différent, j'avais envie de les solliciter tout d'abord tous les deux parce qu'ils sont en Suisse et ma compréhension de ce que j'ai lu à leur sujet et de ma propre expérience quand j'ai vécu en Suisse, c'est que les Suisses, je sais que le pays est d'une taille différente, a une autre histoire, une autre culture, mais il me semble que les Suisses ont une autre approche. Il me semble qu'ils sont capables d'aller chercher de façon peut-être plus agressive, ça va être à vous, messieurs, de le dire, mais à travers des votations, d'aller chercher des mesures au niveau fédéral, par exemple en matière de protection ou d'incitation fiscale pour d'autres modes énergétiques, et puis je pense au niveau bancaire aussi. Je vous cède la parole très rapidement à l'un et à l'autre, et puis ensuite on va recadrer et ouvrir le débat, si vous permettez. François, peut-être, tout d'abord. Oui, volontiers. Je voulais remercier mon ami Étienne de son intervention. Je lui préciser qu'il y a une constitution dans le monde qui ouvre la porte à une démocratie plus réelle, c'est la démocratie semi-directe suisse, où nous avons les initiatives, les référendums au niveau fédéral, cantonal, communal, donc c'est une démocratie très efficace. Mais Étienne a raison, dans la mesure où il faut aussi savoir qui juge lorsqu'il y a des problèmes. Et le problème en Suisse, nous avons le problème de juges qui sont sous l'influence de l'étranger. Et là, on peut parler clairement de sociétés secrètes. Les juges, beaucoup de juges font partie de sociétés secrètes et ils obéissent à des ordres implicites ou explicites qui viennent de Londres, de New York, de Paris ou de grandes puissances étrangères. Et ce qui caractérise l'histoire de la Suisse, nous sommes ce qu'on dit en Suisse un Sonderfall, un cas spécial. On est des personnes qui savons dire non, non aux sirènes du mondialisme, non aux sirènes européennes, non à toutes ces tentations. Et actuellement, notre combat, notamment de la monnaie pleine, ou notre combat depuis les années 30 de monnaie alternative, comme le vire, les vires, les récas, il faut toujours parler de monnaie au pluriel,
car il est très mauvais en économie d'avoir un monopole quel qu'il soit. Et effectivement, la mère des batailles, c'est de lutter contre le monopole monétaire qui actuellement paupérise toutes les populations du monde et enrichissent une infime minorité, peut-être une centaine ou même pas de personnes sur cette planète qui commencent à tout posséder. Donc il faut avoir le courage de parler, il y a des complots, il y a des complots financiers, il y a des milliers de milliards en jeu, et les initiés qui profitent de ces milliers de milliards sont souvent dans des sociétés secrètes. On a vu que Sarkozy, à l'époque de Merkozy ou de Fillon, qui disait « la France est en faillite », ils ont trouvé des milliers de milliards en Europe, aux États-Unis, pour sauver leurs petits copains. Et il disait, un banquier central disait « je vais jeter des dollars de mes hélicoptères sur le pays », mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il visait les piscines de ses copains. Et les dollars tombaient seulement dans les piscines de ses copains, donc des banquiers et des assureurs notamment. Donc nous encourageons depuis la petite Suisse de faire des systèmes d'argent locaux. Actuellement, les titaniques bancaires coulent, ils coulent déjà, le niveau de l'eau monte dans la cale, on n'est pas encore au niveau de la bouche, mais nous vous recommandons de créer des petits systèmes, des canaux de sauvetage, des systèmes locaux ou de jouer avec des jeux qui s'appellent le jeu de la monnaie. Il faut que tout le monde comprenne comment la monnaie, les monnaies actuelles dans le monde, c'est des escroqueries gigantesques. Et ceux qui payent, c'est le peuple, et ceux qui s'enrichissent, c'est une infime minorité. Donc nous sommes pour des démocraties économiques au pluriel, pour des crédits locaux au pluriel, pour des communautés locales, d'amis au pluriel, faites des clubs, faites des associations, travaillez sur les droits humains. La création monétaire, c'est un droit humain auquel on a le droit. Nous sommes les rois, nous sommes le souverain, et ils n'ont pas le droit, les salauds, les initiés qui nous volent n'ont pas le droit de nous empêcher d'exercer nos droits humains dans des clubs privés et des monnaies locales pour le bien de tous. Merci, merci François. Est-ce que Blaise veut réagir, puisque j'ai ouvert la porte à nos deux invités suisses? Est-ce que Blaise a un mot à dire, ajouter? On peut lui ouvrir le micro, Mathieu, s'il te plaît. Voilà, alors je vais rajouter un truc. Quand j'ai fait les autonomisations énergétiques de mes biens immobiliers, j'ai eu tout un tas de bâtons mis dans les roues, puisque sur le nombre d'années que j'ai mis en place ce genre de truc-là, j'ai compris pourquoi j'avais ces bâtons dans les roues, et c'était pas les lobbies énergétiques style le nucléaire ou le pétrole qui venaient mettre des bâtons dans les roues. Non, le pire lobby que j'ai trouvé, c'est l'administration cantonale qui en fait met des bâtons dans les roues. Et pourquoi? Et j'ai constaté en fait que la Suisse, on est dépendant à plus de 80% des énergies fossiles, que ce soit nucléaire, pétrole ou gaz. Donc chaque année, on importe entre 10 à 13 milliards de francs suisses de ces énergies fossiles. Et en réalité, on paye en plus de ces 10 à 13 milliards de francs suisses 15 milliards de taxes à l'État fédéral. 15 milliards de taxes, c'est 25% du budget de la Confédération. Donc j'ai vu en fait que le plus gros lobby, c'est l'État lui-même. Puisqu'en fait, si on généralise mon concept d'autonomie énergétique, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État. Et ce qui nous revient à dire que, vu qu'on s'est fait spolier le pouvoir de création monétaire, l'État n'aurait pas besoin de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent s'autonomiser si il reprenait son pouvoir de création monétaire. Et dans la Constitution, il est clairement dit qu'il a le droit de cette création monétaire, mais il a été spolié par la BNS qui le donne pas, en fait. Selon la Constitution, à l'article 99, le 2/3 des bénéfices nets de la Banque nationale suisse doit revenir aux cantons. Les cantons, c'est les citoyens, quelque part. Et chaque année, la BNS, elle crée 100 milliards de francs suisses pour acheter des actifs pourris financés avec la monnaie secondaire scripturale bancaire des banques commerciales qui sont en faillite si elles ne les vendent pas aux banques centrales. Donc ça, vous pouvez faire la BNS ou la Fed ou la BCE, c'est pareil, c'est le même principe. Et
Et donc, la BNS, en fait, donne ses 100 milliards aux banques pour les sauver. Et elle donne que 1,2 milliard aux cantons, alors que ben, l'année dernière, en 2016, elle aurait dû donner 70 milliards aux cantons. Et si on fait ça depuis 2008, elle a créé plus de 600 milliards de francs suisses. Donc, le bilan de la BNS a été multiplié par 7. Mathématiquement, c'est notre pouvoir d'achat qui est divisé par 7. On ne l'a pas vu réellement puisqu'on crée moins de monnaie que les autres banques centrales. Donc, c'est un effet de relativité. Donc, notre monnaie est toujours plus forte, mais en fait, elle descend comme toutes les autres. Et en réalité, depuis 2008, la BNS aurait dû, selon l'article constitutionnel, reverser 400 milliards de francs suisses au canton. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de dettes et plus personne n'aurait besoin de payer d'impôts. Et il y a un banquier privé suisse qui dit, Claude de Maulle, qui est un lointain cousin accessoirement, qui dit, il y a deux siècles, quand on avait créé la banque Pictet, à Genève, on ne payait pas d'impôts. Et parce qu'il y a deux siècles, chaque canton avait la régale monétaire et il ne s'était pas encore fait spolier la création monétaire. Donc, on ne payait pas d'impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fed a été créée en 1913 et l'IRS, les impôts des États-Unis, ont été créés en 1913 aussi. Merci de nous le rappeler, Blaise. Écoutez, je pense que nous rentrons au cœur du débat. Je vais juste me permettre de vous rappeler que le thème, effectivement, initial est de repenser l'argent en conscience. C'est à la fois comment concrètement on peut mettre en place des solutions le plus rapidement possible, mais en gardant sans perdre de vue plutôt comment dans un esprit de transition et non pas de rupture brutale pour éviter les crises, on peut aussi faire émerger une société dans laquelle l'homme va être remis au cœur de la société, avec effectivement un univers beaucoup plus participatif, beaucoup plus juste et beaucoup plus inclusif. Alors, j'aimerais maintenant rendre la parole à chacun d'entre vous. Est-ce que, Marc, vous voulez intervenir en premier? Le micro de Marc, Mathieu, s'il te plaît. Qui vais. Merci. Vous pouvez y aller. Je voudrais dire une toute première chose. Je me demande si on n'a pas oublié un élément. Dans toutes les monnaies alternatives que je connais, il me semble qu'il n'y a pas d'intérêt. Or, si on va voir l'Évangile, dans l'Évangile, il est marqué en toutes lettres « prêter sans intérêt ». Pour finir, le christianisme est parvenu à justifier le prêt à intérêt. Ne faut-il pas, pour que l'humanité s'en sorte, elle doit peut-être élever le débat. Imaginons des expériences de monnaie alternative future sans intérêt. Quel serait le rôle des banques? Et que devient le rôle du citoyen? Ça m'a l'air d'être un débat fondamental et qui se relie aux grandes sagesses de l'humanité depuis Aristote. Donc, ça fait longtemps que les sages de l'humanité nous disent « l'intérêt, c'est pas tout à fait ça ». Maintenant, je ne dis pas que c'est la solution, mais il faut poser cette question. Deuxième grande question qui se pose au niveau géostratégique, nous avons les BRICS dont personne ne parle, mais qui sont quand même 4 milliards de gens, qui sont en train de bâtir et de proposer un système monétaire dans lequel ils invitent notamment l'Europe à participer. Nous boudons des quatre fers, et les Américains encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une interpellation géopolitique importante? Je ne dis pas que c'est de nouveau la solution, mais ce serait des pas géopolitiques majeurs à envisager et à réfléchir. Voilà deux grandes idées. Je m'arrête ici.
Merci Marc. Je donne la parole à Romain. Volontiers. Mathieu, tu peux ouvrir le micro de Romain, s'il te plaît. Merci. Oui, donc je voulais déjà commencer par reprendre ce qu'a dit Étienne, à savoir le problème selon moi qui est vraiment le centre névralgique de ce que l'humanité est en train de traverser aujourd'hui et est une crise non pas de la dette ou de l'argent ou de la constitution, peu importe, c'est une prise de conscience de l'entité humaine, une prise de conscience de ce qu'est l'humain à l'échelon planétaire. Donc, comme l'a très bien dit Étienne, nous avons été éduqués de manière infantile, nous avons été infantilisés, et le principe d'infantilisation est toujours basé sur le fait de devoir regarder à l'extérieur de soi la vérité ou une forme de vérité. C'est-à-dire qu'on part du postulat que l'on ne sait pas les choses au fond de soi. C'est-à-dire qu'on dénie toute une partie de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective, comme en a parlé Jean-François Noubel. On dénie déjà cette part de l'intuition qui, voilà, que tout le monde connaît d'une certaine manière sans avoir véritablement trop réfléchi là-dessus. Donc c'est déjà un premier point. Selon moi, nous rentrons dans une phase dans laquelle l'humanité est en train petit à petit de réaliser son potentiel, sa prise de conscience en tant qu'organisme vivant, relié et unifié. C'est-à-dire que les gouvernements n'ont eu de cesse de séparer les individus depuis leur existence, puisque le principe de la gouvernance doit passer par un principe de séparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mesurer à un autre groupe, donc on va diviser, subdiviser, sur-subdiviser, et l'objectif, c'est d'isoler en fait les individus pour qu'ils soient plus facilement manipulables et contrôlables. Donc comment est-ce qu'on contrôle une population, comment est-ce qu'on contrôle un individu? Il y a trois axes. L'énergie, comme l'a très bien dit Blaise, la connaissance, comme le dit Étienne Chouard, d'une certaine manière, au travers de l'éducation, au travers de la connaissance des droits, des devoirs, de la Constitution, tout ça. Et le troisième axe, c'est les choix et libertés. Les choix et capacité de prendre des décisions, c'est-à-dire la puissance humaine, la capacité de décider pour soi et non pas en fonction de ce qu'un autre vous aura dit ou pas. OK ? Donc, quand on résume en fait les axes de réflexion, l'énergie, bah oui, la souveraineté énergétique est indispensable. Si on a besoin de quelqu'un d'autre pour produire l'énergie qui va être nécessaire à faire tourner sa machine à laver ou à faire cuire sa nourriture, bah forcément, on n'est pas souverain. Si la connaissance dépend de ce que l'État va donner comme information ou le voisin et compagnie, on ne va pas s'en sortir non plus. Donc, il y a véritablement une nécessité que l'individu se rendre compte qu'il est temps maintenant d'arrêter de demander la permission. Arrêtons de demander la permission en dehors de soi sur les éléments qui vont nous permettre de nous réinventer nous-mêmes. Et aujourd'hui, Bitcoin ou les crypto-devises en général sont là pour apporter une forme de solution à ce niveau-là. Les crypto-devises permettent de générer. Alors, une crypto-devise, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Je vais répondre très simplement. Le mystère du Bitcoin, c'est un logiciel. Le Bitcoin, la crypto-devise, c'est un logiciel. OK? Ça n'est pas une monnaie, ça n'est pas une action, ça n'est pas un bien, ça n'est qu'un logiciel. Alors, qu'est-ce que la fonction d'un logiciel? C'est quoi? C'est inutile. Comme l'a très bien dit Simone tout à l'heure, on a besoin de quelque chose qui soit fondamentalement inutile. Ça n'est inutile que tant qu'un humain ne va pas s'en servir. Un logiciel, il a quoi? Il a une fonction. Okay, il a une fonction, il est là pour réaliser une fonction, que ce soit Word, Windows, un logiciel de gravure de DVD ou un logiciel de lecture, il a une fonction. Et le troisième point qui est fondamental dans un logiciel, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être corrompu, hormis s'il a été hacké, s'il a été modifié ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si un logiciel n'est pas hacké, ben par définition, il est plus fiable qu'un être humain, puisqu'il est inutile, il n'a pas de but intrinsèque et il n'a pas de capacité de changement de décision. Okay ? Sauf quand on arrivera peut-être à l'intelligence artificielle, à condition qu'on puisse parler véritablement de libre arbitre à ce niveau-là. Donc, on a un logiciel. Donc, qui est fondamentalement inutile, qui n'a qu'une seule fonction, c'est de permettre l'échange de valeurs entre individus. OK ? Donc, à ce niveau-là, il remplit la case de l'aspect monétaire. Il est indexé sur un principe qui se rapproche de l'or. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre fini. Oui. Il y a 21. Il y a 21 millions de bitcoins.
actuellement 16 en circulation, il n'y en aura pas plus. Donc il y a un chiffre fini de Bitcoin disponible, mais qui sont divisibles jusqu'au centième de millionième. C'est-à-dire qu'il a la fonction de l'or dans sa rareté et dans son aspect précieux et durable dans le temps. C'est-à-dire que c'est la fonction de l'or. On a choisi l'or, pourquoi ? Parce que l'or est inaltérable, il peut résister à l'usure du temps, à l'acide, au basique. Il a une petite fonction, on va dire, de semi-conducteur aujourd'hui et de parure, on va dire, esthétique. Mais en dehors de ça, il n'a pas une fonction particulière. Le seul inconvénient qu'il a, c'est que si on doit le troquer, bah, il va falloir couper l'or en petits morceaux et ça n'est pas pratique. Bitcoin a cet aspect rare, donc qui permet à la monnaie de lui donner une certaine valeur, mais il est aussi relié à la monnaie fiat, c'est-à-dire à la monnaie des banques centrales, dans le sens où il peut être complètement subdivisible jusqu'au centième de millionième. Ce qui signifie que si on prend les 21 millions multipliés par 100 millions, on arrive à une capacité d'absorption de l'ordre de, je ne sais plus exactement, plusieurs centaines de milliards, donc plusieurs milliers de milliards. Ce qui signifierait techniquement qu'on serait capable d'absorber la totalité de la quantité de richesse produite aujourd'hui, je ne parle pas des dérivatifs, hein, je parle de la production de matière réelle qui existe, et toute cette production de matière pourrait passer directement dans le Bitcoin, et ça se passerait très bien. La seule chose qui manque, c'est l'être humain souverain qui va décider de s'informer sur la technologie, qui va décider d'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec, et qui va décider, en son âme et conscience, de l'adopter ou pas. Merci, merci Romain. J'aimerais proposer à Madame Wepler, à Simone, de réagir sur ce qu'elle vient d'entendre et d'y apporter sa propre contribution. Simone ? Le micro de Simone, s'il vous plaît, Mathieu. Mathieu ? Oui, c'est fait. Voilà. Bon, juste une petite précision, hein, c'est Wappler. Wappler à l'allemande, à la prussienne, etc. Mes bon. Non. En ce qui concerne l'or, ben, finalement, Romain en a très bien parlé. On m'a dit d'expliquer pourquoi c'était une valeur refuge. Ben, très simplement parce que ce n'est la dette de personne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est la dette de personne. Tout le monde le reconnaît et ça n'a besoin de personne pour exister. Alors, je voudrais un peu élargir le débat. Je ne vais pas du tout avoir des considérations humanitaires, philosophiques, etc. Je voudrais rappeler juste quelques principes basiques. C'est que le premier principe, c'est qu'on échange quelque chose contre autre chose. Et qu'en fait, la monnaie, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on échange et contre quoi. Alors, il se trouve que dans une phase transitoire, ça va être de la monnaie. Mais c'est tout. La deuxième chose, c'est que la création de richesse, c'est augmenter la richesse existante, c'est faire plus avec moins. Ça veut dire, et ça sous-tend, et c'est important, et c'est terre à terre, et ça déplaît, que la production passe avant la consommation, qu'on ne devient plus riche que si on produit plus, à mieux, avec moins. Et le troisième point, c'est que pour arriver à faire plus avec moins, il faut du capital. Et le capital, ce n'est pas de la monnaie frelatée, ce n'est pas une unité de compte. Le capital, c'est des choses qu'on a mises dans le circuit de production pour pouvoir faire plus avec moins. Et le vrai capital, c'est l'épargne. Le premier homme qui a taillé un silex pour pouvoir être plus efficace à la chasse, il a accepté peut-être de ne pas bouffer pendant 4 jours ou 5 jours. Donc, il a épargné. C'était une forme d'épargne. Voilà. Alors, quand on a recadré tout ça, je pense que c'est un peu plus clair. Nous vivons dans un système de monnaie frelatée. Des intervenants ici ont agité le fait que c'était dégoûtant. Ils voulaient eux aussi pouvoir créer de la monnaie. Ça ne change pas le problème. Ce sera que la monnaie soit créée par X, Y ou Z, le système est frelaté. Donc, je dis ce qui est à la portée de chacun, s'il poursuit sa réflexion, c'est de refuser ce système. Donc, c'est sortir du système de la monnaie frelatée. À partir du moment où on dit « je sors du système de la monnaie frelatée », on peut choisir le système de Marc ou de François ou peu importe. Partout, les gens choisissent. Mais il faut quand même à un moment être pragmatique. Avec quoi je vais me nourrir, avec quoi je vais me loger, avec quoi je vais épargner pour avoir des loisirs, pour pouvoir penser à des choses. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs pistes. Il y a le cash.
Après tout, le cash est bien accepté. Vous sortez des banques, vous refusez. Il faut savoir que quand vous laissez 1 euro dans une banque, vous acceptez que la banque fabrique 30 euros de crédit, de monnaie crédit. Donc, vous pouvez très bien sortir 1 euro de votre banque et être en cash. Alors, évidemment, on fait des limites pour l'utilisation du cash parce que ça déplaît. Donc, c'est déjà, ça vous prouve que c'est une bonne piste. Vous pouvez revenir aux monnaies ancestrales, c'est-à-dire alors et l'argent sous forme fractionnable et en dehors du circuit bancaire, mais bon, c'est pas sûr que votre boulangère l'accepte. Le Bitcoin, c'est pas sûr non plus que votre boulangère l'accepte. Mais c'est à la portée de chacun de trouver ses voies et d'essayer, encore une fois, de refuser de rentrer en résistance face au système de monnaie frelatée. Donc, en solution concrète, on a vu le cash, c'était la plus facile. On a vu l'or et l'argent sous forme fractionnable en dehors du système monétaire. C'est un peu plus difficile déjà, mais bon, c'est faisable. On a vu, pourquoi pas, les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou etc. Ça, bon, il en faut pour tous les goûts. Bon, à vous de convaincre votre boulangère, après tout. Hein. Et puis, je dirais que pour l'épargne et le capital, eh bien, il y a une possibilité merveilleuse de la société actuelle, ça s'appelle le financement participatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de laisser votre banque faire n'importe quoi et accorder des crédits à n'importe qui. Vous avez des plateformes qui vous permettent de financer des projets en financement en capital ou de prêter. Oui, je sais, c'est horrible de prêter de l'argent à intérêt. Mais vous avez des entreprises qui sont saines, qui ont besoin d'argent et qui, aujourd'hui, avec des clients, des marges, des bénéfices sur un secteur concurrentiel, vous offrent du 5 à 6 % d'intérêt. Je rappelle que la Grèce, déclarée en faillite par le FMI, elle a levé de l'argent sur les marchés financiers cet été à 4,5 %. Donc, à vous de voir si vous voulez financer les folies de l'État grec ou si vous préférez financer après tout la PME du coin, le Mittelstand, et vous intéresser à ce que fait votre argent. Donc voilà, moi c'est mes pistes concrètes, hein, ça ne vole pas haut, c'est pas très philosophique, mais vous pouvez commencer à les appliquer dès demain. Écoutez, Simone, merci beaucoup pour ces précisions et paradoxalement, moi, je trouve que dans vos propos, il y a une autre dimension que purement simplement matérielle. Le simple fait de rappeler ce qu'est l'argent, un outil pour faire une transaction, mais qu'il peut y avoir effectivement d'autres façons d'échanger. Je pense que déjà, c'est aussi donner sa vraie dimension à ce qu'est l'argent et non pas forcément la dimension qu'on lui a laissé prendre. J'aimerais, dans un instant, rendre la parole à Étienne pour l'entendre réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Mais auparavant, François de Simmental, je pense que vous voudriez aussi prendre la parole. Est-ce qu'on peut avoir le micro ? Merci. Merci bien. Oui, je voulais remercier Simone pour ce caractère très concret et féminin qui lui fait honneur. Et je voulais dire une chose. Victor Hugo, le grand poète français, a dit que dans l'histoire, la Suisse aurait le dernier mot. C'est pas un Suisse qui le dit, c'est Victor Hugo, un Français. Et Denis de Rougemont, notre grand auteur qui a parlé de l'amour et de l'Occident, et qui a écrit aussi un oratorio au sujet de Nicolas de Flux, qui est le patron mondial de la paix. Et vu les risques de guerre, on parle d'une troisième guerre mondiale qui aurait déjà commencé. Il est important aussi de voir en conscience quels sont les paramètres de la paix. Et Denis de Rougemont disait « Encore faut-il que la Suisse dise ce dernier mot ». Et Balzac disait aussi qu'on n'aurait pas de christianisme sur cette terre tant que la question de l'argent ne serait pas réglée. Et on ouvre ses yeux maintenant et on voit que la question de l'argent n'est pas réglée. Et en tant que Suisse, j'ai envie de dire ce dernier mot qui rejoint les mots soit de M. Chouard ou de Simone ou de tous les intervenants d'ailleurs à cette table ronde, c'est que nous devons ouvrir des chemins pour avoir un système monétaire qui soit juste. La Révolution française demandait égalité, fraternité, liberté ou la mort. Et actuellement, la création monétaire du néant et la destruction monétaire au néant est pilotée par une infime minorité de gens pas du tout égalitaires. Nous ne sommes pas en égalité, nous ne sommes pas en fraternité, nous ne sommes pas en justice.
Et la guerre mondiale, qui peut finir par des guerres nucléaires ou même des bombes H ou des bombes à neutrons qui tuent toutes les êtres humains mais qui laissent les infrastructures intactes, la guerre est là. C'est une guerre économique, une guerre monétaire, une guerre qui laisse sur le carreau des dépressifs, des alcooliques, des drogués. Il y a des morts, des suicidés. Elle est là, maintenant, et nous devons réagir tout de suite. Et nous vous encourageons à suivre la piste suisse qui demande des monnaies pleines pour toutes les personnes, y compris les personnes conçues. Il y a des millions de personnes qui sont dans des congélateurs, qui sont des embryons congelés, qui sont des personnes comme nous. Et nous, les Suisses, nous disons, allouons-leur un montant économique qui n'est que justice, puisque ce sont aussi des rois, des prêtres et des prophètes. Donnons-leur de l'argent afin de les protéger dans les laboratoires, dans ces congélateurs, et trouvons-leur des parents, des mamans et des papas qui puissent les faire vivre et leur donner la chose qu'ils n'ont même pas, c'est un corps en développement. Merci François. C'est vers Étienne maintenant que je me dirige. Étienne, voulez-vous réagir à tout ce qui vient d'être dit depuis votre propre prise de parole? D'abord, il me semble que sur le plan de le Bitcoin n'est que un nouvel or inventé par des gens astucieux. Mais qui, une fois plus, va être en quantité limitée et appropriée par leur premier créateur. Et je ne vois pas du tout comment les sociétés humaines vont s'émanciper avec un outil pareil. Il va encore être rare, il va encore être propriétaire, il va encore être privé. On va encore s'entretuer pour en avoir parce qu'on en manque. Je ne vois pas comment on va se débarrasser de la cruauté humaine et de la peur de manquer avec une monnaie rare comme celle-là. En matière monétaire, je vois il y a deux alternatives que je connais qui me semblent très prometteuses. La première nécessite un changement de constitution. Il faut qu'on reprenne le pouvoir pour reprendre le pouvoir aux banques privées. Ça se rapproche de ce que défend François et les Suisses avec la monnaie pleine. Mais ce n'est pas la seule solution, il y en a une autre aussi. Donc celle que je défends et qui me paraît vraiment intéressante, c'est le charpentalisme. Ça ressemble à la monnaie pleine. Ce n'est pas tout à fait pareil quand même, je vais vous expliquer en deux mots en quoi ça consiste. Et puis la deuxième, dont je ne vous ai pas entendu parler, il me semble que il était question que vous ayez comme invité Stéphane Laborde, et ça aurait été bien qu'il décrive son alternative monétaire que je trouve extrêmement stimulante et applicable tout de suite sans même avoir à prendre le pouvoir. J'en parlerai après. Je vais essayer d'en parler brièvement de tout ça. Donc le chartalisme, à mon avis, est simple à comprendre et se rapproche du système défendu par François et les Suisses, avec des variantes. Peut-être que François me contredira en expliquant quelle objection il voit au système en question. Alors, en quoi consiste le chartalisme? L'idée chartaliste, c'est qu'un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée pour tous les services publics. Si j'ai besoin d'encore un hôpital, parce qu'il n'y en a pas assez pour l'instant, les hôpitaux pour l'instant sont surchargés, j'ai besoin d'un hôpital de plus, je suis l'État, j'ai besoin d'argent pour créer ce service public dont mon peuple a besoin, je n'ai aucun problème de financement, un État digne de ce nom, il faut que nous l'institutions comme ça, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la création monétaire aux banques privées, ça c'est certain. Mais un État digne de ce nom, c'est-à-dire doté de la création monétaire, du pouvoir de création monétaire par les citoyens qui l'ont institué eux-mêmes, cet État n'emprunte pas la monnaie, et donc ne paye pas d'intérêt, mais n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. Et donc il crée la monnaie quand il dépense, y compris pour le fonctionnement, et il détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt. Ce faisant, l'État a dans les mains, à nouveau, pour la première fois, toutes les manettes nécessaires pour réguler la masse monétaire. J'ai des dépenses publiques
Quand je crée de la monnaie de façon indépendante de l'activité des hommes, je risque d'avoir trop de monnaie, de créer de l'inflation et de voir ma monnaie se détruire en perdant sa valeur. Mais si, quand je crée la monnaie, c'est pour faire travailler des médecins, des infirmières, des professeurs, que sais-je, de différents services publics, des gens qui n'auraient pas de boulot sans ça et qui ne demandent que ça, de créer de la richesse, de rendre des services. Si je crée de la monnaie pour faire travailler ces gens, c'est absolument pas inflationniste, simplement ça crée tout simplement la prospérité. Et donc, l'État devrait pouvoir créer de la monnaie quand nous en avons besoin et détruire la monnaie quand il perçoit l'impôt. Et de cette manière, les deux symptômes qui permettent de savoir si on a trop de monnaie ou si on n'en a pas assez, lui permettraient de prendre des décisions d'en créer plus ou d'en créer moins. Ces deux symptômes sont le chômage et l'inflation. Si je manque de monnaie, j'ai du chômage. Si j'ai trop de monnaie, j'ai de l'inflation. J'ai jamais les deux à la fois. Quelquefois, oui, je sais, dans l'histoire des hommes, on a vu, dans les années 70, des très courtes périodes pendant lesquelles on avait à la fois de l'inflation et du chômage. Mais c'est une escroquerie de nous bâtir un système économique sur cette très courte exception dans le temps qu'a été cette période où on a eu à la fois de l'inflation et du chômage. La plupart du temps, si vous avez de l'inflation, si vous avez l'inflation, vous n'avez pas de chômage, et si vous battez contre le chômage, vous allez le payer en inflation. Vous avez l'un ou l'autre. Donc il y a un choix de société à faire. Et donc l'État doté de la puissance de création monétaire et destruction monétaire pourrait, s'il a créé trop de monnaie, parce que c'est très empirique en fait, hein, quand j'ai besoin de services publics, je les paye. Et puis je regarde si j'en ai créé trop, je vais le voir avec de l'inflation. Et je vais à ce moment-là détruire plus d'argent en prélevant plus d'impôts. Mais le chartalisme consiste à doter la puissance publique de la puissance monétaire qui lui permet, écoutez bien, c'est vraiment ça qui est décisif, ça rend l'État employeur, être capable d'être l'employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot, l'État, puisqu'il a la puissance monétaire pour les payer, peut mettre au boulot tous ceux qui sont en train de crever la dalle, de façon absolument non nécessaire. Mourir de faim, pardon. Donc ça, c'est le chartalisme, mais ça nécessite de reprendre le contrôle aux banques commerciales, ce qui demande un changement institutionnel, parce que pour l'instant, ce sont les banques commerciales qui ont pris le contrôle du politique, littéralement. Mais j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler que si les banques commerciales arrivent à prendre le contrôle du monde entier, puisqu'aujourd'hui Goldman Sachs a pris le contrôle des États-Unis et de l'Union européenne, on y est là, ça y est, on y est, les banques commerciales ont pris le contrôle politique des plus grands empires, c'est par l'élection. C'est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, je répète, c'est ce qu'on appelle suffrage universel. Faussement suffrage universel, le vrai suffrage universel, ça devrait être nous qui votons nos lois, toutes nos lois. Voilà, ça, ce serait le suffrage universel. Un suffrage universel digne de ce nom, c'est les citoyens qui votent leurs lois. On n'y est pas du tout. Nous, on est dans un système dans lequel nous désignons nos maîtres. Alors, on appelle ça suffrage universel, on est bien gentils, nous sommes bien gentils de consentir appeler ça suffrage universel, ça ne mérite pas de s'appeler comme ça. En tout cas, ce système de faux suffrage universel consiste à désigner des gens, désigner des élus, des décideurs politiques, parmi des gens qu'on peut aider. Mais si on peut les aider, un enfant comprend, alors un électeur, je ne sais pas, mais un enfant comprend que si c'est un système dans lequel on peut aider, accéder au pouvoir, les gens qui ont les moyens d'aider, ils vont aider. C'est pas la peine de parler de complot, l'évidence la plus parfaite. Ceux qui ont les moyens d'aider dans un système dans lequel on donne le pouvoir à ceux qui le veulent et qu'on peut aider, dans ce système-là, ceux qui ont les moyens d'aider, c'est les plus riches. Ils vont aider et ils vont gagner. Et ça fait 200 ans que ça dure. C'est pour ça, c'est parce que c'est en fait le capitalisme, hein, c'est-à-dire le pouvoir des riches par les riches pour les riches, la plutocratie dans laquelle on vit, elle n'a que 200 ans. Hein. Auparavant, les riches, ils faisaient pas la loi. Hein. Oui, ils étaient influents, mais c'est pas eux qui écrivaient la loi. Ils avaient contre eux le clergé, la noblesse. Bref, la deuxième technique que vous devriez évoquer, sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis, c'est la monnaie libre. La monnaie libre défendue par Stéphane Laborde. Et qui existe déjà, c'est-à-dire qu'ils ont créé le logiciel, on peut déjà créer un compte, et on n'a pas besoin de changer les institutions, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir, nous pourrions dès aujourd'hui adopter cette monnaie,
dans nos échanges, et ce qui est compliqué toujours quand on crée une nouvelle monnaie, c'est d'atteindre cette masse critique dans laquelle il va nous falloir des maçons, des boulangers, il va nous falloir un grand nombre de corps de métier qui acceptent cette monnaie pour que nous arrivions à échanger. Mais cette monnaie-là, elle a l'avantage d'être distribuée sous forme de dividendes universels réguliers. Toutes les semaines, vous touchez de l'argent parce que vous êtes un être vivant. Et la masse monétaire est calculée en fonction du nombre d'êtres vivants en ce moment. C'est très original. Je ne connais pas d'équivalent de cette monnaie libre de Stéphane. Je ne connais pas d'équivalent monétaire qui intègre aussi finement, aussi profondément l'espérance de vie des gens et qui élimine aussi régulièrement les fortunes accumulées par les gens qui aujourd'hui sont morts. En fait, c'est une monnaie qui respecte beaucoup les jeunes gens et les vivants. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la monnaie de Stéphane Laborde. Voilà. Moi, il me semble que c'est les deux. Le Bitcoin, j'ai aucun espoir. Je ne trouve pas ça émancipant du tout. C'est comme si on avait inventé une nouvelle mine d'or, quoi. Merci Étienne. Juste une question complémentaire. Est-ce que ce que vous venez d'évoquer, cette nouvelle forme de monnaie que vous associez à Stéphane Laborde, est-ce que ce serait un substitut du fameux revenu universel pour lequel différents pays se battent actuellement? Pas un substitut. C'est un mécanisme, c'est un logiciel qui, dans sa structure, est pensé pour produire autant de DU, autant de dividendes universels que nécessaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où des gens s'inscrivent et font partie de ce nouveau corps social, de cette nouvelle société qui se bâtit autour de la monnaie, il faut comprendre que la monnaie, c'est beaucoup plus qu'une technique, c'est un moyen de faire société. Une monnaie digne de ce nom. Il ne faut pas croire à la définition des économistes, qui est une définition complètement merdique. Elle est très très pauvre. La définition des économistes, qui sont pratiquement tous des employés de banque aujourd'hui, hein, elle est d'une pauvreté inouïe. La monnaie, il faut écouter ce que disent les anthropologues sur la monnaie. La monnaie est un moyen de faire société, un moyen de vivre ensemble. Et dans le système de Stéphane, à chaque fois que quelqu'un va rejoindre la collectivité qui est en train de se former, volontairement, si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Il n'y a pas besoin de forcer qui que ce soit. Mais si ça marche, pourquoi ne pas y aller? Si nous y allions, à chaque fois que quelqu'un y entre, il a le droit, par construction, à un dividende universel toutes les semaines. Et ensuite, tous les prix vont être exprimés en fractions de dividendes universels. Ce qui fait qu'il n'y a plus de pauvreté, si vous voulez, et ça dissuade l'accumulation de la richesse. C'est très bien pensé, son truc. D'accord. Écoutez, une précision avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre, puisque vous nous avez rejoint en cours de route. Étienne, au tout début de cette conférence débat, j'ai indiqué qu'effectivement, en préparant la conférence, nous nous sommes rendus compte évidemment qu'il y avait un certain nombre d'autres solutions que celles qui sont exposées aujourd'hui, représentées aujourd'hui, et que compte tenu du format de cet événement, on ne pouvait pas faire face à tout. Et entre autres, Stéphane Laborde a été en contact à plusieurs reprises avec Alexandre Boisson, qui est l'organisateur premier avec Mathieu Coste de cet événement. Donc je sais, ou en tout cas j'espère ne pas trop m'avancer, Alexandre, mais je sais qu'il y a d'autres suites qui vont être données à l'événement d'aujourd'hui auxquelles participerait donc Stéphane Laborde. On peut ouvrir le micro, merci. Alexandre? Oui, tout à fait. Il y aura certainement d'autres réflexions parce qu'on voit bien que sur une émission comme ça, on parle aussi de philosophie, de bien-être humain, et c'est très important. Mais j'aimerais vraiment revenir à du concret. On a vraiment un problème aujourd'hui. Je ne veux pas refaire dans l'anxiogène, mais moi, ce que j'ai entendu chez Madame Vapler, ça me plaît beaucoup. Alors, je suis pas là pour faire sa promotion. Ce que j'ai entendu aussi chez Blaise Roselin, ça me plaît beaucoup parce que c'est matériel, c'est concret et ça dérive justement après sur ce qui est peut-être un peu plus philosophique. Si on arrive à investir collectivement en se mutualisant sur des choses qui nous permettent de respecter la règle des trois, je vais être très rapide, on ne tient pas plus de 3 minutes sans respirer, on ne tient pas plus de 3 jours sans boire et on ne tient pas plus de 30 jours sans manger. Si on a une crise systémique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des conséquences dramatiques. Et les gens des villes, on va prendre Paris, Paris en termes alimentaires, ça tient 3 jours. Au moment où il y a une crise systémique, il y a des problèmes d'approvisionnement dans les supermarchés, et ces gens-là
qui n'ont pas la connaissance et puis le temps de faire du jardin, ils iront migrer sur les campagnes. Et jamais, jamais, ça se passe avec beaucoup de gentillesse. Les gens qui savent faire leur jardin sont en danger par rapport à ceux qui ont faim, les citadins. Alors, ce que je veux poser comme question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, effectivement, de se mettre à plusieurs pour financer ce qui va nous permettre d'être indépendants, pour que très vite, les gens puissent se dire, bon, c'est pas grave, on a peut-être des formules aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser cet argent qu'on a sorti des banques parce qu'on a bien écouté les alertes de ces économistes qu'on aime bien, qui sont crédibles et qui disent forcément quelque chose de vrai, et j'ai sorti mon argent dans les banques, dans quoi je le mets ? J'ai entendu des pistes, hein. J'ai entendu vraiment des pistes, et c'est sur cet axe-là que j'aimerais, si tu es d'accord, et si vous êtes tous d'accord, François, que tu fasses réagir Madame Papler, et Blaise, pour être encore plus dans le matériel. Écoute, très volontiers, je voudrais juste vous rappeler qu'il est, j'imagine, à Paris, 16h18, il nous reste peu de temps, donc ce que j'aimerais, c'est effectivement qu'on puisse réagir, mais en étant le plus concis. Alors, Simone, si vous voulez bien, le micro de Simone, Mathieu, merci. Merci. Oui, ce que je voudrais dire, alors là, on va revenir malheureusement à des choses très technocratiques. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une création monétaire extraordinaire. Contrairement à ce que disent les intervenants, il n'y a jamais eu autant d'argent à crédit zéro, voire à taux négatif. Bien, le problème, c'est que l'argent, il n'arrive pas nécessairement là où nous souhaiterions, nous individuellement, hein, qu'il arrive. Alors, des gens vont dire « Ah, dans ma poche à moi, évidemment ». Bon, encore une fois, si ça arrive dans la poche de chacun, c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, ça ne résout aucun problème. Ce n'est pas parce que vous distribuez de la fausse monnaie que ça rend tout le monde plus riche. Au contraire, on sait que c'est une catastrophe économique et sociale. Donc, je laisse les doux rêveurs penser que si M. Mario Draghi distribuait 60 milliards d'euros aux gens, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et je reviens à la réalité. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit, j'insiste, vous avez des pays comme la Grèce qui lèvent de la dette publique qui va atterrir sur les livrets, les comptes épargne de monsieur et madame tout le monde un peu partout en Europe et sur le bilan de monsieur Draghi pour financer quoi ? On ne sait pas trop. L'économie grecque n'a jamais été une économie performante. En dehors de ça, vous avez, tout le monde connaît autour de soi, dans un entourage, etc., des entrepreneurs, des entreprises qui opèrent sur le secteur privé, qui fournissent des produits à des clients, qui ont des marges, qui gagnent de l'argent. Oui, c'est abominable. Et ces entreprises, elles n'ont pas accès au crédit. Et je dis simplement, encore une fois, qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent aux gens de se fédérer, effectivement, prêter à des projets, de les sélectionner, de se renseigner, et qu'on vit une époque où jamais, 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 la débancarisation n'a été aussi facile. Alors, contrairement à ce que dit M. Chouard, le capitalisme, ce n'est pas un système immonde au 19e siècle, etc. C'est le système par lequel l'humanité s'organise depuis la nuit des temps pour, encore une fois, faire plus avec moins. C'est-à-dire que si vous prenez votre journée du petit déjeuner à la fin de votre journée, vous apercevez que le moindre t-shirt que vous enfilez, que le café que vous faites, etc., tout cela, vous l'obtenez parce qu'il y a eu le capitalisme. Vous obtenez beaucoup plus que ce que vous êtes capable d'avoir avec votre seul travail dans une journée, si vous y réfléchissez bien. Vous pouvez me mettre 10 ans avec le couteau sur la gorge et un fusil sur la tempe et me dire « refais une ampoule électrique », je ne suis pas sûr d'y arriver au bout de 10 ans seul. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, aujourd'hui, profite du capitalisme, des investissements passés. Ce qui est grave, c'est quand vous détruisez les investissements passés ou quand vous arrêtez d'investir. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est si l'argent se dirige dans des investissements stériles, l'économie se bloque, cale. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir dépensé l'argent du futur et en même temps le récolter. Le crédit, c'est ça. Vous avez dépensé l'argent du futur. Donc,
si j'en reviens encore une fois aujourd'hui, maintenant, etc., c'est vrai qu'il faut privilégier l'investissement dans l'économie réelle. C'est vrai que lorsque vous avez de l'épargne, si vous la placez, réfléchissez à là où ça va. Quelle entreprise en profite? Est-ce que c'est un projet auquel vous souscrivez? Enfin, je crois que l'argent que les gens ont gagné et cherchent à investir, c'est quelque chose d'important. C'est le fruit d'un travail passé et qu'il faut vouloir s'en occuper. C'est comme son potager. Si vous voulez pas vous en occuper, ben, faut pas vous étonner que ce soit gâché et que ça enrichisse d'autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Simone, merci. Marc, François, j'ai vu vos mains se lever. Je vais vous passer la parole dans un instant, mais je voudrais, et Étienne également, mais je voudrais tout de suite impliquer un internaute, parce que la question qu'il pose va directement dans le sens de ce que vous évoquez, Simone, et je le lis. Il s'agit de Gab qui s'adresse à nous. Pour la plupart des participants à cette conférence, nous dit-il, on connaît les problèmes liés à la monnaie depuis des années. On cherche, on réfléchit sur les outils, mais concrètement, j'ai de l'épargne aujourd'hui. Où je la mets si je veux nourrir un projet vertueux? Simone, est-ce que vous voulez répondre? Oui, vous. Alors, je ne sais pas d'où Gab nous écrit, de quel pays, etc. Mais vous googlez, vous faites financement participatif, crowdfunding, crowd equity. Vous allez tomber sur des sites internet qui vous proposent des projets. Vous allez creuser, vous allez faire vos devoirs. Vous allez creuser, vous allez regarder ce que fait l'entreprise. Donc, en financement participatif. Alors, je suis désolé, mais bon, il y a quelques gros sites qui reviennent. Vous avez par exemple en France, Lendix, WeShareBonds et tous les autres, mais en prêt, bon, ceux-là, ils vous remonteront facilement. Vous avez d'autres plateformes pour les financements capitaux, c'est SoWeFund, etc. Encore une fois, bon, faites vos devoirs, recherchez, documentez-vous, passez un tout petit peu de temps à savoir où vous allez concrètement mettre votre argent. Vous avez des projets formidables. Nous, on en conseille à nos lecteurs, c'est vrai. Bon, on a une équipe qui travaille là-dessus, qui sélectionne des projets selon certains critères. Ça prend du temps. Mais voilà, vous avez l'impression de faire avancer le schmilblick, comme on disait en France, du temps de Coluche, plutôt que d'aller financer de la dette publique, des hôpitaux dont on ne sait pas toujours s'ils sont utiles d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hôpitaux, voilà. Excellent, merci Simone. Et puis je rebondis très rapidement sur un autre internaute qui nous dit ceci, dans le prolongement de ce qui vient de se dire. La NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, fait des financements participatifs de PME éthiques. J'avais consacré une émission il y a plusieurs mois effectivement à la NEF, qui est une approche différente où effectivement c'est ce que vous évoquez, mais dans une structure qui n'est pas forcément une plateforme participative. Donc il y a effectivement des solutions qui existent. Alors le temps de parole se réduit de plus en plus. J'avais promis à Marc la parole, je la lui donne. Son micro est ouvert, Mathieu. Marc, vous avez la parole. Oui, le micro de Marc. C'est bon. Je voudrais dire que la menace d'Alexandre Boisson est réelle. Il est possible que demain, votre banque ferme son volet, que votre argent et que l'argent que vous avez mis en dépôt dans un coffre soit bloqué. Ça, c'est vrai, on ne le dit pas. Donc, il me semble de toute façon opportun de retirer un maximum d'argent des banques officielles. Peut-être les placer dans la NEF, dans Triodos, d'autres types de banques. Acheter de l'or, pourquoi pas en partie, et l'enterrer dans votre jardin, encore mieux. Je voudrais simplement dire que la menace du bail-in, c'est-à-dire les banques qui vont chercher votre épargne, toutes ces menaces ont été discutées et votées au Parlement européen. Donc tout ça est vrai. Voilà, je m'arrête ici.
Merci Marthe. Je voudrais, si vous le permettez, offrir la parole maintenant à Mathieu. François, je reviens vers vous dans un instant. Mathieu Coste est le co-organisateur de cet événement et il brûle d'intervenir depuis un petit moment. Donc Mathieu, rapidement par contre, s'il te plaît. Non, je ne brûle pas. C'est difficile d'arriver comme ça après tout ce qui a été dit et de si intéressant. Mais si on reprend le risque de crise systémique, moi, il y a une notion qui me paraît très importante, c'est la proximité. Et l'argent me fait penser à dans la langue des oiseaux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais qui est une autre lecture, à l'art d'être avec les gens. Et je pense que c'est important de se dire comment on va revivre ensemble dans cette bulle qui est le quartier, le village, et de recréer cette confiance locale pour faire circuler de l'information, puisqu'en fait, la monnaie, l'argent, c'est, on l'a dit, de l'information. Après, et même quand on pense à ce système d'information territoriale, nous, on travaille beaucoup là-dessus, sur ce système d'information territoriale en bien commun qui va permettre de faire que des échanges puissent continuer, que de la richesse puisse circuler, que tout le monde puisse se former ensemble sur justement cette préservation du lien social, cette capacité de répondre à nos besoins premiers et peut-être de s'apercevoir qu'on est quand même dans une société totalement consumériste qui nous a fait croire qu'on avait besoin de plein de choses pour être heureux, alors qu'en fait on a besoin de liens, on a besoin d'amour, on a besoin de fraternité et on n'a certainement pas besoin de posséder toujours plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu réagi quand j'entendais les plateformes de crowdfunding, parce que les plateformes de crowdfunding sont pour moi une rustine. Ça ne vient pas du tout sur la profondeur du problème qu'on a aujourd'hui. Et en plus, elles sont sur des infrastructures technologiques qui sont centralisées, qui ne sont absolument pas durables. Et du coup, je pense que la décentralisation de l'ensemble de politiques technologiques, monétaires et cette approche biomimétique, vraiment de se rapprocher de ça. Et donc, je fais très court et il y a beaucoup de choses. Et puis, je voulais dire aussi que cet événement, moi, j'ai été ravi de le co-organiser. Et puis, je vous annonce qu'il y en aura plein d'autres. Et puis, pour nous, on appelle ça, c'est dans le cadre de l'UPOP, c'est l'Université Populaire Ouverte et Permanente. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre que des médias ou que des gens nous disent quoi faire, pour qu'on se saisisse chacun. Et nous, on a créé un commun qui peut servir à ça. Donc, on est content de participer à ça. Merci, Mathieu. Merci Mathieu. Ce que je vais vous proposer, parce que là nous sortons du cadre initial, c'est de boucler maintenant. Je vais donner la parole, mais je vais vous demander en une minute, s'il vous plaît, madame, messieurs, de boucler. François, je vous ai fait attendre, oui. Alors je vous donne la parole tout de suite, mais s'il vous plaît, on fait court, s'il vous plaît. Et nous, les Suisses, on est très concrets. Le chef de l'armée suisse a recommandé à tous les Suisses de remplir les baignoires d'eau potable et de faire des réserves de vivres. L'Allemagne, la même chose. Donc, on va vers une crise gravissime et nos autorités, en tout cas en Suisse, disent à tous les Suisses de faire des réserves très concrètes d'eau potable et de nourriture pour plusieurs jours. Et une baignoire, c'est des centaines de litres d'eau. Vous pouvez tous le faire. Dites à vos voisins de faire des réserves d'eau potable dans la baignoire. C'est pas ça qui est compliqué, mais c'est directement utile. Ensuite, pour avoir de l'eau potable, vous mettez simplement de l'eau claire dans une bouteille claire, pas teintée, même PET, mais blanche, claire, 6 heures de plein soleil, ça tue tous les germes, même le choléra, même le virus du sida, mais du bon soleil. Et si c'est pas 6 heures, il faudra faire 12 heures, mais ça vous tue les germes simplement dans des bouteilles que vous avez tous chez vous gratuitement. Donc c'est tout simple. La technologie est expliquée sur un site internet qui s'appelle sodis.org, donc comme solaire, S-O-D-I-S, comme désinfection en anglais, sodis.org. Ensuite, tout le monde, vous faites des jardins, faites de la permaculture, ayez des petits jardins, faites des jardins avec vos amis. Moi, je suis d'accord avec Mathieu, il faut recréer des systèmes locaux d'amitié, de contact, de crédit. Et faites aussi ces jeux monétaires avec Gérard Fouché ou d'autres.
c'est très important de se faire des amis, car en cas de crise, vous ne pourrez compter que sur des amis, des proches, localement. Donc faites des réserves d'eau, faites des réserves de nourriture, faites des jardins, faites de la permaculture, créez des coopératives intégrales. Et pour répondre à mon ami Étienne Chouard, nous sommes la monnaie pleine et chartaliste. Hein. Je vous lis juste un tout petit bout de l'initiative. La BNS met en circulation sans dette, donc pour Marc, sans intérêt. Si on n'a pas de dette, il n'y a pas d'intérêt. L'argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération suisse, ou des cantons suisses, ou en l'attribuant directement aux citoyens. Nous, nous encourageons naturellement le don direct aux citoyens. L'organisation suisse, ça je réponds à Simone, n'ayez pas peur Simone, nous sommes capables de surproduire de tout. Les robots sur Mars, c'est des robots en grande partie suisses. Nous sommes capables de surproduire de tout, des montres, du fromage, des voitures, des pièces de voiture, de tout. Donc n'ayez pas peur, la technologie suisse, les robots suisses vont permettre de produire déjà en abondance, en surabondance de tout. Donc n'ayez pas peur de l'inflation, le problème maintenant c'est la confiance entre les hommes et c'est la chose la plus facile à créer, c'est l'argent. Et je vous assure, il n'y en a pas assez pour le monde entier, on est des milliards et il n'y a vraiment pas assez de symboles monétaires pour faire vivre bien. Et tout le monde pourrait bien vivre et on s'éviterait des guerres mondiales, des boucheries mondiales. On peut créer des milliers de milliards pour des boucheries mondiales. Est-ce qu'on n'est pas capable d'être intelligent et de créer des milliers de milliards pour la paix mondiale? Merci, merci beaucoup François. Étienne, je vous ai fait patienter. Je suis désolé, mais je vais devoir vous demander, on ouvre le micro d'Étienne, Mathieu. Étienne, je vais vous demander par contre d'être aussi bref que possible. Je vais vous laisser une minute et demie parce que je voudrais donner la chance aux autres participants de boucler ce tour de table avant qu'on se quitte. Étienne, à vous. Simone m'a fait dresser le peu de cheveux qui me restent sur la tête en attribuant notre prospérité, notre confort occidental, qui ne concerne qu'une toute petite partie de l'humanité, au capitalisme. Je n'attribue pas du tout notre prospérité au capitalisme, mais au pétrole, aux énergies fossiles qui nous ont émancipés du travail, des travaux forcés sur la Terre. Et je les attribue aussi aux armes que nous avons inventées les premiers et qui nous ont permis d'aller coloniser et dévaster, exploiter et piller la plupart des autres pays sur Terre. Donc je crois que le capitalisme est une catastrophe. Le fait que les marchands aient pris le pouvoir politique leur a permis de piller la Terre entière en plus de leur propre pays. Je crois que c'est une catastrophe que ce soit les marchands qui décident la politique et qu'on changera tout ça si on écrit nous-mêmes notre constitution. On est riche et confortablement installé parce qu'on a découvert le pétrole et parce qu'on a pillé les ressources des autres. Sur la monnaie, je trouve que c'est à nous d'inventer la monnaie qui nous manque. Et comme le dit bien François, j'ai pratiquement terminé. Simone a raison quand elle dit qu'on n'a jamais eu autant d'argent. Simplement, cet argent, il est dans les poches de ceux qui jouent au casino et qui ne sont pas du tout dans la poche de ceux qui dépensent l'argent. Quand vous donnez de l'argent aux riches, ils ne le dépensent pas. Ils le placent, c'est-à-dire qu'ils le prêtent pour en faire encore plus. C'est comme une maladie mentale, ils en ont besoin toujours plus, toujours plus, toujours plus. Si vous distribuez de l'argent à des pauvres, ils le dépensent, l'argent circule et finalement permet enfin à la prospérité de s'établir. Il faudrait distribuer des signes monétaires à ceux qui n'en ont pas au lieu d'en donner à ceux qui en ont. Et ceux qui s'appellent les investisseurs, là, sont des gens qui se croient indispensables alors qu'ils ne le sont pas. On devrait se réapproprier le moyen de financer nous-mêmes nos activités. On n'a pas besoin de l'argent des riches pour financer l'activité humaine. Merci, merci beaucoup Étienne. On va ouvrir le micro de Romain, s'il te plaît Mathieu. Romain également, en très peu de temps s'il te plaît, en une minute. Le dernier message que tu aimerais partager avec nous et les internautes? Donc le dernier message que je voudrais partager, c'est premièrement que malheureusement il y a beaucoup d'ignorance encore dans le milieu de la crypto-devise. Je suis forcé de le constater puisque, comme le dit Étienne Chouard, il existe déjà des crypto-devises, puisqu'il existe à peu près 800 crypto-devises. Bitcoin n'est qu'une seule de ces crypto-devises. Il existe déjà des devises qui rémunèrent leurs possesseurs, à la seule différence qu'aujourd'hui, la crypto-devise est basée sur une technologie qui s'appelle la blockchain, et que la blockchain est le seul système actuellement connu qui permet de transférer de la valeur avec un système d'encryption et de sécurité qui n'a jamais été craqué en 10 ans pour l'instant.
Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur un système communautaire. La communauté vérifie le code, et parce que la communauté vérifie le code, il ne peut pas être craquable parce qu'il est entièrement décentralisé. Le Bitcoin est un système, la crypto-devise est un système décentralisé, encrypté et autoporté, qui ne produit pas d'intérêt, et là est la véritable notion. C'est une technologie de transition, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Noubel, on travaille déjà sur de la holochain, donc on a déjà des technologies qui sont en transition. Et je vais juste finir sur deux chiffres. Le premier, c'est le montant du Bitcoin l'an dernier a été augmenté de 700% en un an, ce qui signifie que il permet de rémunérer l'investissement dans le Bitcoin, et qui n'est pas vraiment un investissement. On n'achète pas du Bitcoin, on transfère de la monnaie fiat corrompue dans un autre système. Et ce système-là vous rémunère 50% par mois de rémunération. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est que la capitalisation de la crypto-devise était à 14 000 milliards de dollars l'an dernier. Elle est passée à 200 milliards cette année. Donc, elle a augmenté de 1300%. Ça, c'est pour ceux qui croiraient encore que le Bitcoin va s'effondrer dans quelques temps, que c'est quelque chose qui est juste de passage. Encore, il y a beaucoup d'ignorance. Et je terminerai sur un seul point. C'est que, en effet, on a parlé beaucoup des problématiques de l'Europe et des petits, c'est pas péjoratif, des petits privilégiés que nous sommes avec notre qualité de vie. La crypto-devise aujourd'hui, elle est accessible à n'importe qui a accès à Internet. N'importe qui. OK? C'est disponible à n'importe qui sur la planète qui est capable de télécharger une application et est capable de transférer, peu importe la valeur qu'il a, dans cette devise. Et c'est la première devise qui permettra à la totalité de l'humanité d'accéder à la même table, au même niveau. Et merci, pour moi, c'est un élément essentiel pour ceux qui ne l'auraient pas. Merci. On ouvre le micro de Blaise. Mathieu, s'il te plaît. Blaise, je vais te demander, plus que de répondre à ce que tu viens d'entendre, de partager un message. Ce que tu aimerais qu'on retienne de ta propre expérience, de ta vision, en une minute, c'est vraiment le maximum qu'on peut faire, s'il te plaît. Déjà, le Bitcoin, il est très énergivore, donc dès que Internet tombe, il n'y a plus de Bitcoin. Donc, je vais finir par cette phrase. Dès que l'on découvre que l'autonomie est non seulement possible, mais facile, on s'aperçoit que l'essentiel de nos besoins est couvert par les dons de la nature. Alimentation abondante, énergie infinie, connexion permanente. Le don mutuel avec d'autres humains, c'est la cerise sur le gâteau ou le haricot sur les potirons, si vous préférez. Et bien entendu, la monnaie devient inutile. Voilà. Merci Blaise pour ces paroles de sagesse. Alexandre, le mot de la fin avant que je ne remercie nos amis. Non, Marc n'a pas encore parlé, il me semble. J'ai donné la parole à Marc tout à l'heure. Si jamais il souhaite rajouter un mot, je vais lui rendre la parole. Mais alors, moi, vas-y. Je vais vous parler. J'ai beaucoup parlé d'anxiogène. Là, maintenant, je vais vous dire que avec ma carrière policière, ce que je peux dire, c'est que la paix, c'est vraiment une gestion d'équilibre. Et si on arrive avec nos intelligences, chacun dans nos domaines, à trouver une formule qui permet à chacun d'avoir un petit bonheur à perdre. La paix sera là. Et vous savez, il n'y a pas d'intérêt à ce que ça change. La paix doit perdurer. Donc, si j'ai voulu provoquer cette conférence, vous connaissez mon franc-parler, parce que j'en ai un peu ras-le-bol, qu'on lance des alertes gratuites et qu'on demande de payer pour avoir des solutions. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont accepté de répondre, parce que j'ai donné la chance aussi à la trilatérale d'assister et à Monsieur Delamarche. Je suis un peu déçu qu'il ne m'ait pas répondu. Mais moi, il est important que nous puissions donner à tous un petit bonheur. Que ça passe par la monnaie, peu importe. Moi, je suis un fervent admirateur de la démarche d'Étienne Chouard, parce que je pense qu'on doit tous se mettre à réécrire notre bonheur, parce que ça me rappelle quelque chose, et j'ai fini. Moi, j'ai un très grand respect pour ce qu'ont fait mes grands-parents. C'était des résistants. D'accord ? Et en pleine période d'enfer, ils ont écrit les jours heureux. Eh ben, qu'ils étaient ? La France était ruinée, donc on ne peut pas dire que si on a des acquis sociaux aujourd'hui, c'est parce que c'est tombé par le Saint-Esprit. C'est simplement parce qu'ils ont pris le stylo et qu'ils se sont mis de l'extrême gauche ou des communistes jusqu'aux jambes de droite à se dire on va écrire notre bonheur. Et ils ont réussi. Là où l'intention
va l'énergie suisse. Nous sommes tous des banques énergétiques et il est plus que temps que nous écrivions ce qui nous intéresse. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alexandre, Marc, vous allez avoir le tout dernier mot de la fin et je vais vous demander, comme d'habitude, de faire le plus court possible. Merci à vous. Marc, vous pouvez parler. Je voudrais terminer en citant Teilhard de Chardin. Je reprends un peu ma casquette de théologien, qui a dit « Au début du XXIe siècle, l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes insolubles et interconnectés. Et l'humanité ne parviendra à résoudre ces problèmes qu'en changeant de niveau de conscience. C'est ça que nous sommes en train de faire. Je m'excuse d'être positif, mais plus nous changeons de niveau de conscience, plus nous voyons les dysfonctionnements du système tel qu'il est. Et la conférence auquel nous avons participé est un début de changement collectif de niveau de conscience. Je vous remercie. Ben, je vous remercie surtout de donner effectivement le mot de la fin que j'avais réservé. Je crois que cette conférence aujourd'hui, et je vous remercie au nom des organisateurs et en mon nom d'y avoir participé, d'y avoir contribué chacun et chacune avec effectivement des idées originales, des idées dans lesquelles vous croyez, je crois que c'est plus important. Des pistes concrètes de solutions ont été avancées, proposées. Il est clair que le sujet était vaste, que les enjeux sont importants et que fort probablement cette conférence va faire des petits, si vous me permettez cette expression. Mais je retiens du propos de Mathieu Coste, du propos de Marc, d'Alexandre et je crois de chacun d'entre vous qu'effectivement, il y a au-delà des problèmes que nous traversons et qui s'avancent, peut-être encore plus douloureux, il y a des espoirs et de la place pour en tout cas des jours heureux, pour reprendre l'expression de tes grands-parents, Alexandre. Je vous libère, nous avons dépassé le temps que nous nous étions proposés. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci à toi, François, parce que je voulais te dire quand même que merci beaucoup pour ton implication et merci à tous. Merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.